Je vous remercie une fois de plus. Veuillez pardonner l'incident de tout à l'heure. Je ne maîtrise pas bien ces histoires-là, mais quand j'ai bien vérifié mon téléphone, je vérifie mon compte, tout était bon. Est-ce qu'il y a eu un sabotage? Mais rassurez-vous que ça ne se répétera plus, parce que j'ai maintenant tout au contrôle. D'accord, tout est au contrôle. En effet, peut-être à cause du thème qui fait peur, certains agents des ténèbres, des forces des ténèbres, et qui fonctionnent sur des basses fréquences, sur les fréquences de basses fréquences, disais-je, et qui aiment travailler avec les esprits du bas astral. Peut-être pour cela ils sont gênés quand je viens parler de ce genre de sujet. Mais je vais rassurer tout le monde que mon rôle ici, ce n'est pas de venir insulter qui que ce soit. Permettez-moi de faire passer ce son. Je n'ai aucun droit d'auteur sur ce beau son qui passe. Mais c'est ainsi que donc je vous invite d'inviter les vôtres. Je sais qu'il se fait tard. Avec le changement horaire qu'il y a, il est 23h26. Je m'assurerai que je ne vais pas vous garder très longtemps. Mais mon rôle de sensibilisateur, de motivateur, d'éducateur et aussi, surtout, d'initier des grands mystères, on m'a posé certaines questions et il est de mon devoir de venir naturellement répondre à ces questions. C'est des questions qui ont un rapport, effectivement, avec le thème du jour. Le thème du jour, c'est quoi? Les niches. Merci beaucoup pour le beau chapeau. Les niches. Les niches des loges FM de l'Afrique. Pour ceux qui ne le savent pas, les loges FM veut dire les loges franc-maçonniques en Afrique. Et qu'est-ce que c'est une niche? Je vous expliquerai ce qu'on appelle une niche. C'est de ça dont nous allons parler. Et je vous expliquerai pourquoi, en fait, qu'est-ce qui m'amène de venir parler de ça. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci. Je vous prie d'inviter le maximum de personnes pour qu'ils viennent profiter de ces petites connaissances. Je ne prétends pas tout connaître, mais je viens partager ce que moi-même j'ai vécu et également les milieux que j'ai fréquentés, les milieux que je fréquente. Donc ne vous sentez point gêné. Et je le répète, je ne viendrai insulter personne ni attaquer qui que ce soit. Mais je viens vous sensibiliser, vous la jeunesse gabonaise, homme, femme, jeune homme, qui que ce soit, je viens vous sensibiliser. Et même des adultes qui veulent glisser sur ce terrain, oh combien dangereux. C'est de ça que nous allons parler. Continuez à inviter le maximum de personnes. Cette fois-ci, je vais vous faire écouter la chanson de mon frère Boussi Ngui. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, ce frère-là. Comme toujours, je n'ai aucun droit d'auteur sur les chansons que je fais passer là pour éviter que TikTok me crée des ennuis, quoi. Donc, je préfère avertir à nos amis de TikTok que je n'ai aucun droit d'auteur sur les chansons qui passent. Et ainsi, nous allons donc avancer. Voilà. Maintenant, là, c'est quoi encore? C'est maintenant l'écran qui veut me répondre. Quels sont tous ces malheurs, là? J'espère que vous voyez bien. L'écran est bon, là. Maintenant, ici, là. Aïe! Peut-être c'est moi. Eh oui. OK. On va revenir. OK. The screen is freezing, this deal. Screen is freezing for what? Come on now. Des choses de mon corps en Yambi. Dis donc, décidément, on ne va pas s'en sortir si tôt. OK. D'accord. Et si ça passe? Mais YouTube me dit non, toi, on ne va pas te laisser passer. Et c'est bizarre. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai trouvé une solution. Rassurez-vous, je veux être très sûr qu'il y a un maximum de personnes branchées. Et je vais démarrer notre sujet du jour. Retenez, préparez vos notes,
pour ceux qui peuvent enregistrer, s'ils veulent enregistrer, enregistrer. Les niches. Quelles sont les niches des loges FM de l'Afrique? Et on va tous apprendre, en fait, ces loges FM, ces niches-là viennent d'où? Il y a une origine. Et je vous citerai le pays. D'accord? Voilà. Parce que nous, en Afrique, on ne veut pas se concentrer sur nos rites. On ne veut pas se concentrer sur nos religions traditionnelles. Non. On préfère toujours aller ailleurs, que ce soit du point de vue religion, que ce soit du point de vue mystique, que ce soit du point de vue spirituel. Qui est? C'est compliqué, hein? Vraiment. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Les niches. Qu'est-ce que c'est une niche? La niche. Nous allons découvrir ce que c'est une niche. Quand vous serez prêts, je crois qu'on va démarrer. Mais permettez-moi d'abord de vous faire écouter ma bonne mélodie de mon frère Bushengi. Apparemment, je l'ai retrouvée. C'est une bonne chose que j'ai pu la retrouver, cette chanson. Vous allez tous l'aimer, vraiment. Vous allez tous l'aimer. Bien. On va se préparer. Ah tiens, j'attends. Oh, c'est bon, c'est une bonne chose. Je crois qu'on va atteindre, dès qu'on atteste 100 personnes, on va démarrer. D'accord? Je vais légèrement parler du jeune Wesley. Légèrement parler de ce cas-là. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'a beaucoup touché et qui m'a amené à vouloir répondre à certaines questions au cours du live que j'ai eu avec un jeune sensibilisateur, un jeune influenceur. Et là, puisque ces questions n'ont pas été répondues, c'est pour cette raison que j'ai choisi le sous-thème de « Les niches des loges franc-maçonniques en Afrique ». Merci, merci beaucoup, merci. Nous allons nous détendre et j'attends toujours. Invitez le maximum. Dès qu'on atteint 100, je démarre. Merci beaucoup. Merci. Oui, on a compris, Tate. Nous mettons de Bouvinga. On y va. Thank you.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à notre frère Boussiengui. Bon, nous allons démarrer. Il y a au moins 82 personnes. Et tout de suite, donc, nous allons démarrer la thématique de la nuit. Puisque au Gabon, en Afrique centrale, c'est surtout à eux que je m'adresse, mes frères de l'Afrique centrale. Donc, Cameroun, Congo, Gabon, Centrafrique. Ce message s'adresse à vous, la jeunesse qui est originaire de ce pays. Je sais également que c'est un fléau qu'on trouve partout et ailleurs, mais j'ai déjà fait cette sensibilisation dans les pays anglophones. Donc ici, je vais pouvoir m'exprimer en français uniquement pour ceux qui sont francophones. Pour dire quoi? Qu'est-ce que d'abord on appelle une niche? Une niche, lorsque ceux qui font, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui font le commerce en ligne, moi je le fais personnellement, sur ou dans votre site internet, vous avez ce qu'on appelle le e-commerce. Le e-commerce veut dire vous faites le commerce en ligne, le commerce électronique. Donc, les gens vont commander les produits chez vous. Mais seulement, il faut classer ces produits-là. Vous avez le grand magasin électronique qui est là. Maintenant, il y a des clients qui veulent savoir où se trouvent, par exemple, les sacs de marché, où se trouvent les pâtes dentifrice, où se trouvent chapeaux pour bébé, où se trouvent, je ne sais pas, bref. Ces différents lieux où se trouvent ces éléments-là, bien, dans le commerce électronique, on appelle ça des niches. Les niches, ce sont les différentes petites chambres, en d'autres termes, les différents lieux où vous allez trouver chaque article. Et c'est tous ces articles-là qui constituent votre magasin électronique, sauf s'il y a une autre définition. Donc la niche, si vous voulez, c'est l'endroit où votre produit est promu. Parfois de manière sournoise, mais c'est là où les clients vont venir chercher ça. Quelqu'un va vous demander, mais vous avez une compagnie électronique, une compagnie virtuelle, qu'est-ce qu'on trouve dans vos niches? Combien de niches avez-vous? C'est-à-dire le type de produit que vous avez pour nous attirer. Eh bien, vous allez certainement vous poser la question, mais quel rapport y a-t-il entre une niche en tant que dans un magasin et avec le monde du mysticisme en Afrique? Rassurez-vous que, avant que ces niches se retrouvent là-bas, toutes ces niches-là ont été créées ici, aux États-Unis d'Amérique. Donc là, je suis déjà en train de vous répondre à la question suivante, mais en fait, d'où viennent toutes les religions du monde? D'où viennent toutes les sectes du monde? D'où viennent tous les mouvements ésotériques? D'où viennent les histoires de Rose-Croix morte, Rose-Croix d'or, Rose-Croix mystique, Rose-Croix gnostique? Franc-maçonnerie, où viennent les loges d'Orient, les loges de France, les loges de ceci et cela, qu'on retrouve un peu partout dans la plupart des pays d'Afrique, sauf quelques pays d'Afrique où ils ne dealent pas avec ces histoires-là. Car je connais beaucoup de présidents africains qui n'ont rien à foutre avec les histoires des loges, et je connais également certains, et vous les connaissez tous, M. Xi Jinping, le président chinois, il n'est pas franc-maçon. Il est taoïste, vous pouvez vérifier ces informations. Il n'a rien à cacher à ce sujet. Vérifiez aussi M. Vladimir Poutine, il n'est pas franc-maçon. Il est attaché dans ses pratiques spirituelles, entouré de 50 000 sorcières au sens spirituel, c'est-à-dire entouré de grands connaisseurs ou des mages qui sont là autour de lui. Je peux vous citer beaucoup de présidents européens comme ça. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas forcément, malheureusement, la majorité des gens, ils sont dans ces milieux-là. Maintenant, au-dessus, nous avons la franc-maçonnerie. Au-dessus, nous avons la Rose-Croix. Mais savez-vous qu'ils ont ce qu'on appelle des tentacules? C'est-à-dire que la franc-maçonnerie a des loges, c'est vrai. Mais pour pouvoir faire entrer les gens dans ces loges maçonniques, il y a ce qu'on appelle des tentacules. Ce sont ces tentacules que moi j'appelle les niches. Ces niches, ce sont des petites chambres secrètes où on va vous prendre innocemment, vous embarquer dedans, on va vous prendre de manière docile, de manière subtile, et vous, bêtement, sans que vous vous en rendiez compte, vous allez vous retrouver là-dedans. Jeunesse, ouvrez vos yeux. Mais de quoi s'agit-il? De quoi parle Maître Mouéré? Oh, rassurez-vous, soyez patient, j'arrive. Maintenant, ici aux États-Unis, nous avons ces grandes loges-là, en France, nous avons ces grandes loges-là, et nous avons aussi
ce que j'appelle les niches. Qu'est-ce que c'est la niche? J'ai déjà expliqué. Maintenant, dans le plan mystico-spirituel, qu'est-ce que c'est une niche? La niche dans le plan mystique, ici, par exemple, pour le cas des francs-maçons, les niches, c'est-à-dire les petites sectes ou des petites organisations qu'ils appellent sûrement des cercles de réflexion qui n'ont rien à voir avec la franc-maçonnerie, parce qu'ils savent déjà que la franc-maçonnerie, la réputation de la franc-maçonnerie dans la plupart des pays du monde est une réputation obscure, lugubre. Les gens ont peur d'y intégrer. Mais par contre, les jeunes qui intègrent ça ici, comme je l'ai dit il y a une semaine, souvent on n'a pas peur parce qu'on nous dit, tiens, go online, well, ok, je m'en vais en ligne, on vous recrute tranquillement, vous partez, vous recevez votre premier rite, on vous apprend déjà les premières notions, les premiers symboles, waouh, mais c'est amusant. Vous voyez, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, les gens qui prennent ça ici, lorsqu'ils s'amènent en Afrique, oh, Nimana Kombo, c'est différent. On va amener le Nimana Kombo dedans. On va amener Mangakabadi Boko dedans. On va amener les histoires des, qu'on appelle ça, des Njubi dedans. On va amener en un mot nos pratiques à nous, alors qu'ils n'ont même pas le droit d'être mélangés avec les choses des Blancs. Mais malheureusement, il y a certains qui le font. Donc, je vais maintenant aller étape 1. Au niveau d'ici, avant que ça n'arrive en Afrique, vous connaissez le mouvement scout. Savez-vous que le Boy Scout, c'est né aux États-Unis? Mais nous avons ça. Moi, j'ai été scout. Et mon totem, c'était chacal. Chacal, savoir nager pour sauver. Je m'en souviens, c'est mon slogan. Mais ces petits mouvements-là, des scouts, les filles scouts, les garçons scouts, c'est des mouvements qui sont attachés à l'Église catholique, n'est-ce pas? Mais quand vous vérifiez bien le fond, c'est l'une des niches. C'est l'une des niches pour préparer les hommes afin de devenir des hommes, mais surtout subtilement intégrer les roses, la franc-maçonnerie. Ah, c'est la première niche, ça s'appelle les scouts. On trouve les scouts au Gabon, puisque moi je faisais membre, j'étais membre de 1975 jusqu'en 77 à Homboué avant d'aller au lycée technique. Donc j'étais là-dedans, je sais de quoi je parle. Boy Scout, on appelle ça. C'est beaucoup plus rattaché à l'Église catholique, vous qui êtes en Afrique. Veuillez vérifier l'information si je raconte n'importe quoi. On les appelle les boy scouts ou les filles scouts ou les garçons scouts. Il y a même des grades. On vous fait porter certains chapeaux. Vous partez, par exemple, 2 semaines, 1 mois. Vous voyagez le pays. Moi, je l'ai fait. Et mon symbole, c'était le renard. D'accord? Maintenant, deuxième niche. La deuxième niche s'appelle le Rotary Club. Deuxième niche s'appelle Rotary Club. Et ça a commencé et c'est né ici aux États-Unis. Ça s'appelle The Rory. Rory. C'est comme ça qu'on prononce en anglais. Rory. Maintenant, le Rory là, ou des Rotary Club, c'est un club appelé Rotary qui a été fondé, vous pouvez vérifier en ligne, par des Américains. Mais quelle est leur philosophie? Ben, c'est des mecs qui, indépendamment des autres organisations non gouvernementales, indépendamment, si vous voulez, c'est une forme de petite charité qui se chargerait de certaines missions assez spéciales. On les trouve ici. La deuxième niche. Vous avez retenu, non? Première niche, c'est quoi? Boy Scout. Les scouts du Gabon, les scouts du Congo, les scouts de ceci, de Côte d'Ivoire. Ils sont partout, toute l'Afrique, tous les pays francophones, là, ils sont là, dans ces histoires de scouts. Maintenant, la deuxième, vous avez sûrement entendu parler du Club Rotary. Le Club Rotary, ici aux États-Unis, eh bien, dans les années 1892, beaucoup de jeunes étaient introduits là-dedans. Et c'est ainsi, ils font beaucoup de choses. On forme les garçons, on forme les filles de différents groupes. Il y a le Boy Scout, il y a le Girl Scouts. En anglais, on dit Scouts. En français, c'est Scout. C'est là-bas donc qu'on vous apprend certaines choses. On vous prépare votre esprit. On vous prépare pas mal de mystères. On vous parle de beaucoup de choses, de la charité et tout et tout et tout. En fait, c'est la base même de la charité. Ça commence dans ces mouvements-là. Est-ce que vous ne reconnaissez pas le Club Rotary chez vous en Afrique, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un qui peut lever la main ici pour me dire qu'il n'a jamais entendu parler de ça? Club Rotary, ça se retrouve en Afrique. En dehors du Club Rotary, il y en a d'autres. Par exemple, la Jeune Chambre économique. Jeune Chambre économique. Ça, c'est lié avec la chambre du commerce. Les chambres du commerce, il y en a ici aux États-Unis, je vous le signale. Jeunes chambres économiques où on recrute des jeunes pour pouvoir être des futurs leaders,
dans le monde des affaires, dans la gestion de la chose publique. Ça, est-ce que vous reconnaissez? Ça n'existe pas quelque part, cette affaire-là. Vous êtes sûr? La plupart des pays francophones, ils ont ça. D'accord? Donc, la jeune chambre économique est une niche que beaucoup plus les francs-maçons utilisent pour pouvoir recruter la plupart des gens et les amener dans leur milieu. Veuillez m'excuser une minute, s'il vous plaît. Did you check out with the dog? Olivier? Yes. Did you go and bring the dog out? Not yet. Oh, please, we already over 15 minutes, please. Well, thank you, appreciate. Voilà, donc, disais-je, la jeune chambre économique dans tous les pays francophones et même anglophones, j'en ai vu quelques-unes au Ghana, j'ai vu quelques-unes au Rwanda. C'est une niche de la FM, c'est-à-dire de la franc-maçonnerie. D'accord? Allez-y demander à n'importe qui. Puisque vous vivez en Afrique, vous savez de quoi je parle. En France, oh là là, ils sont partout. Généralement, peut-être membre du Boy Scout, commençons d'abord par la première niche. Vous pouvez être scout à partir même de l'école primaire. Mais les données changent. Ou pour rentrer dans les histoires des Rotary Club là, les données changent. Il faut avoir un certain âge. L'âge de la maturité. Quand vous voulez faire partie du Rotary Club, les Africains, vous vous reconnaissez. C'est là. Je connais beaucoup de jeunes qu'on a pris à Port-Gentil, à la chambre du commerce, et après ils sont rentrés dans cette affaire de jeunes chambres économiques. Les jeunes chambres économiques existent dans tous les pays du monde, je vous informe. Souvent, les jeunes chambres économiques sont réservées à tout étudiant qui est prêt à finir ses études supérieures à partir d'années licence, masters ou même doctorat, surtout à partir d'années licence. On les prépare. Donc, le Rotary Club, la jeune chambre économique, ce sont des petites chambres de résonance, mais silencieuses, qui sont en quelque sorte des tentacules de la plupart des FM à travers le monde. C'est-à-dire, quand vous entendez l'expression FM, c'est franc-maçonnerie. D'accord? Ça, jeunesse, je m'adresse à vous ce soir, et je sais pourquoi je le fais, parce qu'il y a un jeune, et parmi tant d'autres, qui tombe dans ce piège, sans le savoir. Parce qu'ils savent que la jeunesse d'aujourd'hui est rebellée. Ils savent que la jeunesse d'aujourd'hui veut suivre l'exemple du président chinois, veut suivre l'exemple du président russe, qui ne sont pas dans ces conneries-là. Vous comprenez? Et c'est dans ce milieu-là, parlant seulement des trois, il y en a plusieurs. Mais je préfère vous parler de celles que vous connaissez. Boy Scout, il y en a plein. Les Rotary Club, il y en a plein. La jeune chambre économique, il y en a plein. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et vous les connaissez certainement. Mais je parle principalement de celles-ci. Pourquoi? Parce que c'est à travers celles-ci que beaucoup de nos jeunes enfants, futurs cadres de la haute société, ont été amadoués, ont été amalgamés, ont reçu un lavage de cerveau, ont reçu ce qu'on appelle la dépersonnalisation et la désindividualisation. C'est-à-dire, il faut que je vous explique ce que je suis en train de dire dans mon français quand même, c'est pas moi qui l'invente. Dépersonnaliser veut dire que votre personnalité change. Vous vivez dans un nouveau module qui est moulé selon le code créé par cette niche. Laquelle niche vous prépare une prochaine étape, car cette étape va vous amener quelque part. Va vous amener sur la voie de FM. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que tout le monde a compris finalement ce qu'on appelle une niche ce soir-là? Une niche mystique au sein de FM. Vous avez compris ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous identifiez? Connaissez-vous des frères, des sœurs qui sont dans ces histoires des clubs Rotary, qui sont dans ces histoires de la jeune chambre économique? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous êtes prêts à les sensibiliser? Est-ce que vous êtes prêts à leur faire passer la vérité? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que je sais. Alors je vous parle, ils sont au moins près de 12 francs-maçons, ils sont là branchés. Trois qui sont en France, d'origine africaine, et les autres, ils sont du Gabon, alors je vous parle. Et ils vont rester là jusqu'à la fin de mon live, parce qu'ils veulent écouter ce que je vais dire. Ils pensent que je viens
Je viendrai ici pour les insulter. Mais rassurez-vous, j'ai du respect. Et je connais les modules du secret. Je connais comment ça se passe. Mais j'en ai marre de voir la jeunesse souffrir. J'en ai marre que ces choses que nous voyons ici au pays d'Abraham soient détournées à d'autres fins. Il est vrai que tout être humain intelligent rentre par le socle de ce qu'on appelle l'adaptabilité et de l'adaptation. En fait, adaptation veut dire vous vous adapter. Adaptabilité, c'est le phénomène de pouvoir apprendre plusieurs choses sans aucun problème, mais vous vous alignez et vous suivez. Vous comprenez? Donc l'adaptabilité et l'adaptation, qui veut dire presque pratiquement la même chose, fait en sorte qu'aujourd'hui, on exploite notre jeunesse africaine. Parce que la jeunesse africaine a le brain. La jeunesse africaine, vous êtes très intelligent, vous êtes très fort. Mais on crée des conditions de difficulté afin de vous rendre tout malheureux et face à vous-même contre le mur, à un moment donné, vous n'avez plus de choix si ce n'est que d'adhérer à ces milieux machiavéliques, lugubres. Voilà la situation malheureusement telle que je la décris, mais que je vis. Les invitations dans mes lives, je les accepte seulement à un moment donné quand je vais donner le top, ok, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas qui vient là. Laissez-moi d'abord finir le sujet. Vous allez demander de rentrer tout à l'heure. Je vais vous y autoriser. Et je vous autoriserai de poser des questions. Aujourd'hui, notre jeunesse est gaspillée justement. Pourquoi? Voilà pourquoi j'ai créé cette petite page TikTok ou appelez-le comme vous voulez. C'est pour pouvoir passer mon temps à sensibiliser. L'avantage que vous aurez de moi, c'est que j'étais dans ces milieux-là. Je ne suis jamais allé à la chambre de commerce. Je ne suis jamais passé par le club Rotary. Mais j'ai des amis qui sont rentrés et qui sont devenus aujourd'hui des grands maçons. Je ne suis jamais passé par la jeune chambre économique, mais je connais beaucoup de jeunes à Port-Gentil sortant fraîchement de l'école du commerce de Port-Gentil qui ont été entraînés, sortant fraîchement des universités telles que UOB, USTM, qu'on a introduit et qui plus tard aujourd'hui, alors je vous parle, c'est des maçons. Certains ne vivent plus que Dieu et leur âme. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas suivi le vieux proverbe Rungu qui dit que « Agnan impio » ne jamais se précipiter dans la vie. Parce que ça sont des voies de précipitation. Le bonheur, on ne se presse pas pour l'avoir. Le bonheur est un processus qui commence à aller lentement à la marche du caméléon. Et justement, je parle de l'adaptabilité ou de l'adaptation. Voici un petit animal que j'ai bien étudié. Le caméléon s'adapte. Oui, vous connaissez le caméléon. Si vous n'avez pas grandi au village, tapez sur Google. Moi, j'ai vécu l'expérience du caméléon au village. À chaque fois que je vais en vacances, même la dernière fois quand je suis allé récemment encore au pays, je suis allé dans ma brousse là-bas. Parce que les terrains que j'ai eu, que j'ai là sont loin dans la brousse. Et puis voilà, je voyais le caméléon. Le caméléon s'adapte pourquoi? Parce qu'il s'arrête, il ne parle pas, et il prend finalement quoi? Il prend la forme de l'environnement qui est là. Il s'adapte. D'accord? C'est pour cela que Dieu nous a donné tous ces animaux-là. Vous ne trouverez pas le caméléon ici, aux États-Unis, ça a commencé comment? Vous ne trouverez pas le caméléon en France, ça a commencé comment? Sauf s'il était embarqué dans un bateau. Mais tous ces animaux vivent dans le bassin du Congo, vivent dans les grandes forêts de l'Afrique, pour dire quoi? Que l'homme noir est l'homme le plus sage et le plus intelligent. Pardonnez-moi d'offenser mes frères blancs qui me suivent. Je n'ai pas dit que le frère blanc n'est pas intelligent. Tout le monde est intelligent. Mais l'homme noir a une capacité extraordinaire. Ce qui me pousse donc à me tourner vers nos amis de Poitiers, qui est un centre de grande recherche scientifique reconnu en France et au Canada. Les de Poitiers, ce sont eux qui ont découvert que le premier homme fut créé finalement où? Vous serez surpris. En Afrique, et les premières traces de vie, les premières cellules vivantes, à travers des fossiles qu'ils ont découverts. Où? À Mounana, au Gabon, en 2012. Vous pouvez chercher cette vidéo, sauf s'ils l'ont enlevée, sur YouTube. Cherchez la société des Poitiers. En 2012, font une découverte révoltante sur l'origine de la vie. Alors, vous comprenez que la vie a commencé chez nous en Afrique. Qu'on dise que ce soit le Gabon ou le Mali, comme on avait dit en 1985 que c'était au Mali, tant mieux. Mais pour vous dire que nous sommes intelligents, mes enfants,
mes petits-enfants, parce que j'ai des petits-enfants qui sont à l'école. S'il vous plaît, nous sommes très intelligents. Donc voilà pourquoi, donc, par le phénomène de l'adaptabilité, comme j'étais en train de parler du caméléon, ces mecs-là viennent vers vous. Maintenant, vous êtes sortis, vous avez les diplômes. Vous avez tout ce qu'il faut. D'accord? On vous prépare d'abord, depuis les boys scouts ou les scouts, ceci, cela. Du primaire, là. Ensuite, vous partez au secondaire. Dès qu'une fois, vous avez eu le bac, on va commencer à vous solliciter, à fréquenter ces milieux-là. Les Rotary Club, on va vous donner on appelle ça comment? Pamphlets ou tracts. Tracts, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Des trucs de publicité. Mais ça va de main en main, entre amis là, qui viendront vers vous. Non, ce n'est pas mauvais, il faut essayer d'apprendre ce que c'est, la jeune chambre économique, le Rotary Club et toutes ces histoires. Et une fois vous avez votre diplôme à l'école du commerce, ou bien une fois vous avez votre licence en droit, ou bien une fois vous avez votre master 2 en économie, machin, bon, écoutez. Et depuis la même, depuis votre licence, on vous sélectionne pour aller à l'ENA, à l'École nationale administrative, pour devenir les futurs grands fonctionnaires du pays. Vous ne me direz pas le contraire, mes frères, c'est la vérité. La majorité des étudiants futurs fonctionnaires de n'importe quel pays d'Afrique, l'ENA existe partout. Il y a l'École nationale administrative en France, il y a l'École nationale administrative au Gabon, au Congo, au Cameroun. Ces élites, qui pour la plupart viennent avec des masters, ils sont plongés là-dedans. Rassurez-vous, il y a des propositions. Comment ça se passe? Je n'ai pas dit que tous. Souvent, une fois vous êtes presque proche de la fin, on commence déjà à vous faire des propositions. Écoutez, vous êtes un intellectuel, mon frère, il faut commencer à faire partie de ceci. Soit, on vous canalise déjà dans l'une des niches. Voici le Rotary Club, ce qu'il propose. On vous forme comme futur fonctionnaire, futur homme d'affaires, future femme d'affaires. Alors, vous avez beaucoup d'opportunités, mon frère. Vous avez beaucoup d'opportunités, ma soeur. On vous enverra des jeunes de votre âge pour venir vous faire la grande tchatche de conversion silencieuse, lugubre, sournoise. Voilà comment ça se passe. Et une fois vous acceptez donc de rentrer dans cette affaire de Rotary Club, le prochain pas c'est quoi? C'est fini. Vous vous retrouvez dans la FM. Est-ce que vous le saurez? Non, vous ne le saurez pas. Comme je l'ai dit, ça se passe de manière sournoise, silencieuse, sans que vous en rendez compte. Et pourtant, vous étiez celui-là qui, comme moi, en train de dire, non, ces gens-là, ils ont sacrifié mon grand-père. Ces gens-là, ils ont ceci, cela. Là, je m'adresse aux jeunes. Mais, ils vont créer une situation. Je vous parle des choses, pas on a inventé. Je connais des amis dans certains pays d'Afrique. Pas au Gabon, ça j'ai pas vu ça au Gabon, mais j'ai vu ça dans un autre pays, au Cameroun. J'ai vécu un moment au Cameroun, j'ai vu cela. Le gars est allé faire les hautes études, il postule le poste. Face à la réalité, on lui dit, monsieur, on va étudier votre dossier. Mais entre temps, le gars attend 3 mois, 4 mois, dit, mais Aka, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Et là, il est contacté par une jeune femme qui travaille là-bas. La femme l'approche, lui dit, bon, écoute, mon frère, nous comprenons ta situation, mais tu sais, à un moment donné dans la vie, il faut avaler son orgueil. Mais quel orgueil? Ne vous parlez de quel orgueil? C'est le monsieur même qui m'a expliqué l'histoire. De quel orgueil vous me parlez? Bon, il n'y a pas de problème. Nous vous accordons un autre rendez-vous, mais cette fois-ci, c'est le directeur général des ressources humaines qui veut vous recevoir personnellement et il va vous inviter. Le gars a été invité par le directeur des ressources humaines. Il a payé son transport, il a même envoyé le chauffeur venir le prendre. Il se retrouve, il dit, mon petit, vous avez tout ce qu'il faut pour l'avenir. Alors, nous pensons que vous êtes l'homme qu'il nous faut, pardonnez-nous de vous avoir fait trop retarder, mais vous savez, dans la vie, il y a des épreuves. Et ces épreuves veulent que parfois, on prend trop du temps pour mieux étudier chaque cas et chaque dossier. Le gars est là, il est en train de cogiter, il dit, mais de quoi ce mec-là parle, mon Dieu? Ils m'ont déjà répondu au départ que non, je dois attendre, mais qu'il aille point droit au but. Il dit, bon, ça veut dire que je vais commencer l'emploi. Il dit, oui, il n'y a pas de problème, vous allez commencer l'emploi. Vous commencez de la semaine prochaine, donc rendez-vous pris. D'accord. Et là, ils n'ont pas été trop brutaux avec lui. On lui donne le poste. On lui dit, bon, généralement, ce genre de position, vous savez, il faut un véhicule de service.
Mais vous êtes tellement béni, hein? Ça, il faut dire merci à votre Dieu, hein? Parce que généralement, ce poste-là, c'est la description qui a été rapportée. Généralement, ce poste, on vous donne un prêt pour pouvoir payer un véhicule, autant pour moi. Mais pour vous, vous n'avez pas besoin d'un prêt. La société se charge, le ministère plutôt se charge de vous donner ce véhicule. On va vous retirer juste légèrement, vous n'allez pas le sentir. Ah, ok, merci, mais mon Dieu, ça fait longtemps que je souffre. Le gars a accepté le véhicule, un dernier VX, je ne sais pas de quel modèle, Toyota, Land Cruiser, quelque chose comme ça. Ça, c'était la première occasion. Deuxièmement, on lui a dit, est-ce que vous avez des difficultés? Ah ben oui, mais je viens à peine de commencer. Hein. Moi, je veux un prêt pour démarrer quand même à construire une maison. Là, je loue. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ils lui ont accordé tout ça. Et un jour, on l'envoie en stage en Italie. Il va aller en Italie en stage. Il va en avion, dans l'avion, il est mis carrément en première classe. Il s'en va. Et là, on lui colle une petite derrière. Le gars était quand même prudent. Il dit, non, 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 moi, la fête des petites, moi, je vais être fidèle à ma fiancée. J'attends qu'elle finisse ses études. Les gars ont dit, ah bon? Oui, non, 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 moi, je ne veux pas ça. Bref, il est parti. Il a progressé. Au fur et à mesure, ils ont posé des actes qui ont fait en sorte que... Écoutez bien, c'est très important. Jusque-là, ils ne lui ont jamais dit que non, il faut rentrer dans la FM. Hein. Mais ils l'ont tellement enrobé. Ils l'ont tellement eu, comme on le dit... Je ne sais pas si vous avez grandi au village comme moi. Hein. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle la scène. La scène, c'est quoi? Nous avons des trémailles. Ça dépend des émailles, donc des dimensions. Un groupe va, si c'est des trémailles qui vont jusqu'à, par exemple, 600 mètres de long, eh bien, vous partez là-bas, vous êtes le groupe A, nous sommes le groupe B, et on tire, parfois avec les hors-bords, ou bien on est complètement plongé dans l'eau. Chacun tire, on amène le trémaille. Donc, on encercle le poisson, les pauvres poissons dans les eaux. Ils ne sont conscients de rien, ils ne sont conscients de rien du tout, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe, ils ne savent pas qu'ils sont déjà encerclés. Mais ce n'est qu'au dernier moment, vous voyez, on a tous ces poissons qui se débattent, puisque A et B ont fermé la ceinture, ont formé la ceinture, et ils les tirent. Finalement, au-dessus du bas de sable, on retrouve tous ces poissons en train de se débattre, mais c'est trop tard, parce qu'ils ont été déjà piégés dans le filet. Est-ce que vous avez un peu retenu cet exemple terre à terre, que je puise... de la réalité africaine, puisque moi, mon père, avant de mourir, lorsqu'il prit sa retraite à Elf, à l'époque, la SPAF, il faisait la pêche, il avait sa société de pêche, hein, dans la zone de Batanga, au Gabon, là-bas, à Port-Gentil, dans le Fernavas. Vous comprenez? Donc, je sais de quoi je parle, puisque moi-même, je faisais le filet. Alors, c'est ce qu'ils font pour avoir beaucoup parmi vous, beaucoup d'intellectuels que vous êtes, avec tous les diplômes que vous avez. Maintenant, ils sont intelligents, ils ne vont pas trop vous agresser. Ils ne vont plus dire, bon, écoutez, mon gars, la vie est un choix. Hein. Il faut que tu rentres dans le système, il faut que tu nous suives. Non, 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 non. Ils savent qu'on a trop crié sur eux, mon Dieu. Ils savent qu'on a trop crié sur eux. Ils savent que tout le monde est au courant des tactiques à l'époque. De certains pays africains, on ne peut pas évoluer. Voyez-vous, à la différence avec ces pays européens ici, sur les tactiques que j'utilise, la manière de piéger, ici, les Blancs ne le font pas. Les Blancs, par contre, eux, ils sont directs avec vous. Ils vont vous dire, bon, écoutez, mon frère, pour des raisons de sécurité, de prestige, tu es un intellectuel. Il faudrait que tu puisses nous rejoindre dans ce club. Ah bon, pourquoi? Ben, écoutez, il y a des avantages. Dans la vie, il faut savoir qu'il y a des avantages. Dans la vie, il y a des secrets. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui savait garder le secret? Oui, pourquoi pas? Eh bien, voilà comment les Blancs, eux, ils font ici. Au fur et à mesure que vous allez avancer, je sais de quoi je parle. Il y a certains postes qu'on m'a fait occuper parce que j'étais le frater. Donc, chez les Blancs, ils font ça, mais directement. Ils vont vous le dire. No, that's my brother, man. Yeah, the brotherhood, man. You let him down? He ain't control, let him down. No way. Yeah, listen. He pay his fees. Il paye les frais chaque fin du mois. Écoutez, il faut aider le frère. Donc, eux, ils sont directs. Mais chez nous, en Afrique, ce n'est pas ça. Ils ne passent pas des contours avec le filet. Mais une fois ce frère camerounais, comme je vous le disais, lorsqu'il s'est retrouvé entouré avec tous ses privilèges, des voyages à gauche, de ceci, cela, on est allé jusqu'à lui proposer. Il voulait construire une maison. À la fin, on lui a donné clé en main. On lui a mis dans une grande cité réservée uniquement aux cadres, dans la zone. Ceux qui sont des Cameroun connaissent. Il y a une zone qu'on appelle Bonanjo. Dans la zone de Limbe. Ah, Bonanjo. Bonanjo, vous savez, il y a un luxe scandaleux. Et si vous habitez dans la zone de Bonanjo, demandez à n'importe quel Camerounais, ce n'est pas n'importe quel Niakouin qu'on envoie là-bas. Moi-même, j'y habitais. Quand j'étais inspecteur de contrôle et de qualité
pour la compagnie SGS Redwood, Genève. Donc, c'est une société de contrôle de pétrole. Et je travaillais là-bas avant que je l'embauche à la Shell. Donc, ce gars avait sa superbe villa. Les choses ont évolué. Et c'est ainsi. On l'a pris. Souvenez-vous l'expression que j'ai utilisée. On l'a mis contre le mur. Contre le mur veut dire quoi? Mais si vous êtes déjà encerclé, encore, bien encerclé, est-ce que c'est facile pour vous de sortir? Et là, ils ont été directs avec lui. Il dit, mon frère, oui, quand tu es arrivé là, tu sais combien de candidats il y avait pour ce poste? Non. Ils sont obligés même de mentir, hein, même si ce n'est pas la vérité. Il y avait 2000 candidats. Oh, 2000. Oui. Voilà, 2000 candidats. Voilà pourquoi ça nous a pris presque 6 mois. Presque 6 mois. Mais c'est ton dossier qui nous a intéressés. Mais pourquoi moi? Ben, pourquoi vous? C'est ce Dieu lui-même qui a décidé autrement. Et pourtant, hein, 3000 candidats. Mais votre candidature a été retenue, mon frère. Vous ne trouvez pas ça assez spécial? Oui, non, c'est un privilège. Donc, ils ont des mots. J'appelle ça la manipulation psychologique, la manipulation psychosomatique. Qu'est-ce que c'est la manipulation psychosomatique? C'est une manipulation d'abord au départ qui est psychologique, mais une fois ils ont réussi à vous rentrer dans le psychique, c'est ce que j'appelle une manipulation consciente du conscient de l'individu, c'est-à-dire du conscient de l'opérateur, donc du tchatcheur. Il va donc manipuler votre subconscient. Parce que le subconscient, c'est quoi? En fait, c'est votre esprit. Mais il réussit à vous amadouer, il vous endort avec ces bons mots-là. Et les mots sont choisis, tels que « c'est un privilège, mon jeune homme ». Il vous tape à l'épaule. Voilà pourquoi dans un ancien image, je vous avais dit « n'acceptez jamais qu'un homme vous tape sur l'épaule ». Jamais. Quand il vous tape à l'épaule, vous ne savez pas ce qui se passe. Il tape le gars à l'épaule et dit « mais comment, mon frère? Tu es notre frère, ça c'est un privilège ». Deuxièmement, regarde la maison. Es-tu heureux? Oui. Troisièmement, regarde la maison. Regarde ta voiture. Combien on te retire? Attendez, je vais regarder, hein. Oh, véhicule, 0 francs. Ben voilà. Vous avez demandé un prêt, mais on vous retire combien? 0 francs. Mon frère, ça c'est des privilèges. Autre chose, les voyages, première classe, ainsi de suite. Dans quelles écoles vos enfants se retrouvent? Vous avez demandé une bourse pour votre nièce la dernière fois, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'elle a été refusée? Non. C'est des privilèges, mon frère. Donc, juste pour vous dire, bienvenue parmi nous. Nous allons faire une petite consécration de bienvenue, ok? N'ayez pas peur. Fermez les oreilles sur ce que les gens racontent. Il n'y aura pas de sacrifice ou quoi que ce soit. Le gars se posait des questions. Mais de quoi vous me parlez? Ben, mon frère, ne soyez pas aveugle, mon Dieu. On vous a toujours démontré. Vous pensez que c'est n'importe qui qu'on aurait donné tous ces privilèges? Et là, il y a un autre frère qui est bien entraîné, qui sait qui est très fort dans la rhétorique. Lui, il va venir là-bas vraiment avec des mots très puissants. Et c'est comme ça, on l'a madoué, on l'a engueulé. Le gars a failli pisser dans la culotte. À prendre ou à laisser. Mais là, vous ne pouvez pas laisser, mon frère. Parce que si vous laissez, qui va payer tout ce qu'on a dépensé sur vous? Qui va payer tout cela? Et tout ce que nous sommes en train de vous dire, ça reste secret. Vous n'osez pas en parler à qui que ce soit. Dieu, gloire à Dieu, ce frère, je ne sais pas par quel miracle qu'il a pu sortir de ce cercle. Il a tout perdu. Il a trouvé une excuse d'absence. Il n'est pas parti au travail. Il a demandé une fausse permission. Il a dit donc au chef, bah écoutez, j'ai envie de m'absenter pendant une semaine. J'ai un petit problème à résoudre au village. Mais tu as besoin de l'aide? Oui, 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 j'ai besoin au moins d'1 million. Ok, il n'y a pas de problème. Ils lui ont donné les sous. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fui au Cameroun. Et il s'est retrouvé en Europe quelque part. Je ne vais pas vous dire le pays. Alors je vous parle, ce frère est là. Je ne vais pas donner son nom. C'est comme cela qu'il a échappé. Mais malgré cela, malgré le fait qu'il soit parti, il a mal payé, la maison incendiée, le véhicule, je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être, je n'ai pas de nouvelles. Les enfants qu'il avait aidés pour les bourses, finalement, bourse coupée, et lui-même, là où il était parti en Europe. Vous savez, il y a la solidarité, hein, entre les frères maçons à travers la planète. On lui a fait ça dur.
pour avoir papier là. Il a fait près de 7 ans. Et pourtant, il était bel et bien marié à une femme, finalement, de ce pays. Comme tout le monde, d'ailleurs, la plupart des gens font quand ils voient un pays étranger. Bref, pardonnez-moi, l'exemple était trop long. Pour vous dire qu'il y a deux manières de rentrer dans ce système où on peut vous avoir. Soit de manière voilée, ce fut le cas de ce témoignage que je viens de partager, ce frère camerounais. Et ils ont utilisé la natte, la nas. Ils ont utilisé le filet, tout comme on piège les poissons. A là-bas, B ici, et nous tirons pour le sol. Et là, ça là, c'est pas facile. Et ça, c'est la stratégie que la plupart utilisent. Parce qu'ils vont faire, ils vont tout faire pour vous mettre le dos au mur. Et lorsque vous êtes dos au mur, vous allez vous en sortir comment? Je vous dis, gloire à Dieu, ce monsieur, aux dernières nouvelles, j'ai appris que maintenant, il est pasteur dans une église, mais il a intérêt. Hein? Parce qu'avec tout ce qu'il a fait, les incantations que ces mecs-là ont fait sur lui, mais 7 ans sans avoir papier, les avocats même étaient étonnés. Mais bien sûr, il ne dorment pas. Voyez-vous? Donc, jeunesse, ouvrez vos oreilles. Tout ayant été entendu, méditez-y. Méditez sérieusement sur ceci. Nous avons mille et une niches. Et vous avez su au début de mes propos qu'est-ce qu'on appelle une niche. Ils ont mille et une niches pour vous amener à la FM. Maintenant, mes frères, maçons qui sont en train de me regarder, là, regardez, ils se sont ajoutés. Il y a près de combien là? Près de 100. Hein? Mon Dieu! Qui est? Donc, sur les 265 personnes là, près de la moitié sont mes frères maçons. Merci d'être là. Et quand je parle ici, je ne vous ai pas insulté. Et vous savez très bien que ce que je dis, c'est la vérité. Surtout en Afrique. Le système, il est un peu différent en Europe. Je ne veux plus revenir dessus, j'ai expliqué, parce qu'il y a des gens qui insistaient, oh moi, malgré ça, jeunesse, vous osez moi me poser des questions. Oh, comment je vais rentrer dans la loge? Oh, mon Dieu, non, pardon, faut nous dire comment ça se passe. Moi, je vais maintenant rentrer, je souffre trop, faut faire ça pour mes affaires. Il y a même des gens qui m'ont demandé, jusqu'à me demander comment ils peuvent pactiser avec le diable. Est-ce que vous êtes conscient des demandes que vous faites? Qu'est-ce qui vous amène à perdre la raison? Je vais répondre à cette question. Ce qui vous amène à perdre la raison, c'est quoi? C'est parce que l'éther, le monde des correspondances là, est baigné beaucoup plus de ces énergies négatives. Les recrutements se font aussi dans le plan mystico-spirituel. J'ai fait une intervention il y a à peine 4 heures dans un live où j'expliquais le cas de ce jeune homme. Les gens disaient, oh, il est fou. J'ai dit, non, il n'y a pas de folie. Je suis moi-même dans la psychiatrie, il n'y a pas de folie. Mais le filigrane invisible, j'ai expliqué ce que ça voulait dire. C'est-à-dire qu'au niveau de votre cerveau, de notre cerveau, nous avons un organe très sensible qu'on appelle l'hypothalamus. Et l'hypothalamus assure l'équilibre entre l'air sensoriel et l'air extrasensoriel. En d'autres termes, l'hypothalamus, c'est celui qui assure le contrôle de tous les 5 sens de notre corps, tant dans le plan matériel et le plan immatériel. Donc, à la fin du tube qui se trouve au niveau de la 3e ventricule de votre cerveau, vers l'arrière là-bas de la nuque, il y a une petite ouverture comme ça. Et c'est là où il y a le grand mystère de Dieu. Au centre des deux, l'air sensoriel et l'air extrasensoriel, c'est contrôlé par l'hypothalamus. Nous avons le thalamus en bas, nous avons l'encéphale, la diencéphale, nous avons la 3e ventricule, nous avons l'épiphyse. Je vous amène à l'intérieur du cerveau. Mais simplifiez tout simplement, je ne peux pas vous casser la tête avec tous ces termes scientifiques, retenez tout simplement que, alors je vous parle, il y a un fléau qui se passe dans le plan métaphysique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut facilement vous avoir? Allez-y, monsieur, ma vidéo sur l'élu de Tétan Zambel, le Tout-Puissant, où je parle des 5 éléments par lesquels les sorciers peuvent facilement vous avoir. Il y a 5 éléments. Il y a votre photo, il y a votre nom de naissance, il y a surtout, le lien le plus facile, c'est l'habit que vous aviez l'habitude de porter. Parce que cet habit est imbibé de tout de vous. D'où la vidéo que j'ai sortie, toujours sur ma chaîne L'Élu de Tanzambé, que n'achetez pas et n'achetez jamais les habits usés. C'est-à-dire, évitez d'aller sur ce qu'on appelle chez nous le mudoki. Les gens me disent, mais monsieur, nous vivons, on souffre, mon Dieu, nous on est pauvres, on fait combat, mon Dieu. D'accord. Au pays des Blancs, ça vient d'ici, hein? Moi j'ai un ami nigérien que j'aide là, envoyer cette flipperie. Mais vous ne savez pas qui portait ces habits-là. Ce n'est pas forcément tous les habits qui sont imbibés des entités négatives. Mais juste pour vous prévenir que ça c'est l'un des éléments clés. Vous êtes l'enfant de X et vous êtes mon fils. Vous portez le nom de mon père. J'ai vos culottes, j'ai vos habits,
J'ai votre photo. Qu'est-ce qui m'empêcherait de voir un expert pour mieux vous calboigner? Voilà pourquoi je parlais du filigrane. Parce que vous, les jeunes, on peut vous avoir de deux manières. Si dans le plan physique, matériel, vous pensez que vous avez fouillé, vous êtes maintenant en France, vous êtes en Italie. Non, moi, je m'en fous. Mon grand-père maçon, là, il est resté là-bas. Il est resté au Congo. Il ne va pas m'avoir. Rassurez-vous. Il va toujours vous avoir. D'accord? C'est ce que j'appelais le filigrane. Parce que le contrôle de la masse humaine, le contrôle de l'homme, hein, se passe de deux manières. Dans l'environnement direct, c'est-à-dire directement, vis-à-vis, ou bien dans l'environnement indirect. Mais c'est surtout l'environnement indirect que les faussaires de la spiritualité, les faussaires du mysticisme, les apprentis sorciers le plus utilisent pour nous avoir. Savez-vous même qu'à travers les réseaux sociaux, là, on peut facilement vous calboigner. Mais moi, j'ai toujours dit, je ne défie pas, depuis que je me fais voir au public, 5 personnes sont mortes d'avoir tenté des conneries de vouloir m'attaquer à travers mes lives. Vous pensez que c'est n'importe qui va venir parler de ces choses comme ça? Bref, il y a des gens qui doutent toujours, mais qui ont voulu tenter. Pour vous dire quoi? Le sorcier peut passer également sur les voies, les réseaux sociaux. Vous avez besoin d'une protection très sûre, la protection du Créateur. Mais comme vous savez que Dieu agit par pouvoir délégatoire, ce n'est pas lui-même qui va venir en personne. Atinzam, c'est moi ici. Ahanzambakana, c'est moi qui te protège. Non, il agit par pouvoir délégatoire. Le pouvoir délégatoire, c'est qui? Ce sont les génies, ce sont les archanges, ce sont les machins, ce que vous appelez, hein, appelez-le comme vous voulez. Que ce soit les esprits du bas astral ou des hautes fréquences. Vos ancêtres, votre grand-père qui s'appelait Mbameyon, votre grand-père qui s'appelait Nzeondo, ou bien Moussabou Ibing. Monsieur Moussabou Ibing de son vivant, c'était un mec très fort. Il était grand chef. Donc, ça là, nous, les morts ne sont pas moraux. Il est vrai que physiquement, ils sont morts. Mais leur âme se trouve dans le cahier de souvenirs. Ça, c'est le langage religieux que j'ai trouvé dans les documents égyptiens. Et même la Bible, dans le livre de, je ne sais pas moi, Ecclésias chapitre 9. On vous dira qu'ils sont dans le livre là-bas de machin. Dans le livre d'Apocalypse, on vous dit la même chose. Pardonnez-moi de vous citer la Bible. Mais moi, j'ai une forte audience qui est chrétienne ici. Mais la majorité de nos frères qui sont dans les francs-maçonneries, qui sont dans ces histoires, c'est des chrétiens. Le matin, il est à l'église. Mais il officie en même temps dans la loge. C'est la vérité. Alors, vous allez me dire que c'est Dieu qui a créé tout? Non, Dieu n'a jamais créé une religion, Dieu n'a jamais créé une loge, Dieu n'a jamais créé ceci. C'est l'homme, face à son désespoir, face au malheur qui le frappe. Maintenant, la pauvre jeunesse innocente paye les pots cassés. Jeunesse, obéissez à vos parents. Oui, c'est vrai, nous allons obéir aux parents, il faut toujours les obéir. Sachez que tout enfant qui obéit à son parent, même si son parent a des pratiques lugubres, ces pratiques-là ne vont pas vous atteindre. Mais, méfiance, si vous décidez, puisque l'enfant a le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, dès lors qu'il quitte la maison de son père et sa mère, il va former sa propre famille. D'accord? Maintenant, en ce moment, cherchez à mieux canaliser votre esprit. Je parle et je dévoile toutes ces choses. Je ne suis pas rentré dans les détails, rassurez-vous, mes frères maçons qui me regardent. Je n'ai pas dévoilé tous les préambules de la maçonnerie. Mais vous savez très bien que du fond de votre cœur, ce que vous faites n'est pas bon. On ne doit pas subtiliser ces enfants-là. Laissez les enfants, laissez ces jeunes conscients des actes qu'ils veulent poser. Et vous, les jeunes, je m'adresse à vous. Arrêtez de venir me poser tout le temps les questions dans mon compte TikTok là-bas que, oh non, montre-moi un peu comment rentrer dans le loge. Moi, depuis que je vous ai parlé la dernière fois, la vidéo est même postée. J'ai fait exprès de poser cette vidéo-là. Je vous ai dit que non. Je vous ai encouragé que rentrer dans les loges. Si vous me suivez bien là, bon, là, vous me voyez là, moi, je vous encourage à rentrer dedans. Même ici aux États-Unis, je vous ai dit qu'il existe ce qu'on appelle des crimes sophistiqués. Ces crimes sophistiqués, vous criez au scandale quand on trouve des gens qui ont été égorgés, les crimes rituels au Gabon. Mais il n'y a pas qu'au Gabon, ici aux États-Unis, les crimes rituels existent. Le saviez-vous? Eh bien, il existe ici aux États-Unis et au Canada un crime rituel sophistiqué. On appelle ça le vol des peaux des jeunes filles. On enferme ces jeunes filles-là, les belles filles avec leur peau lisse, on les enferme quelque part et on arrache leur peau pour les donner aux grandes superstars, les célébrités, afin qu'ils puissent rajeunir et rajeunir. Il y a certaines de ces célébrités aujourd'hui qui ont des cancers qui sont en train de mourir à petit feu. Ça, c'est l'information que je maîtrise pas le plus, mais ça m'a été divulgué par un ami canadien qui est médecin. L'autre cas d'information que je vais vous donner, ça là, je connais, puisque moi-même,
D'ailleurs, merci de... qu'on parle de ça même. Là, je vais regarder un peu mon permis de conduire. En quelle année ça va finir? Driver license expired. Expiration date. Ok. Et que ça va expirer quand? Ah, en 2025. Quand je repars donc en 2025 là, pour renouveler mon permis, ils vont me poser la question. Toujours la même question. Are you an organ donor? Je répète, are you an organ donor? Ceux qui sont aux États-Unis avec moi savent de quoi je parle. Organ donor veut dire, on vous demande si vous êtes une personne qui est capable de donner ses organes. Qui est en Amérique ici là, qui vient de me confirmer si ce que je dis est vrai ou faux? Mais attention, quand on vous demande, est-ce que vous êtes un donateur d'organes? Un donateur, je ne sais pas si c'est le mot en français. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont venir vous attraper là, vous habitez, on va vous couper la tête? Non. En Afrique, c'est ce qu'ils font dans la plupart des pays. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de ces organes-là. Ces organes, ils en ont besoin. Ils en ont besoin des organes qui sont dans votre corps. Mais les Américains ici, les pays des Blancs, ils le font. En Europe aussi, ils le font. Ça s'appelle des crimes rituels sophistiqués. Ils crient au scandale. Oh non, le Gabon, oh le Congo, le Cameroun, oh yo. Non, non, les Africains sont sauvages. Et je vais vous dire, ici, ils sont sauvages, mais c'est très sophistiqué. Quand on vous dit vous êtes organ donor, qu'est-ce que ça veut dire? Sur votre permis, où est-ce que j'ai mis ça encore? J'ai rendu ça dans le portefeuille. Ah, c'est là. D'accord? Sur le permis, là. Il y a, voyez derrière ici, derrière là, ça là. Dès qu'on fait rentrer ça sur l'ordinateur, ça vous donne toutes les informations. Alors, quand vous allez répondre à la question, oui, je suis un donneur d'organes, c'est enregistré depuis le centre des permis de l'État qui vous a donné ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ici aux États-Unis que cette carte là, ça, c'est ma carte d'identité qui a en même temps un permis de conduire. Tous les Américains devaient le savoir. Là-dedans, il y a ma carte sociale. Là, dans la carte sociale, ils savent combien je gagne. Ils savent le travail que je fais. Ils savent en quelle année je suis arrivé. En quelle année je suis devenu Américain. Ils savent quelle religion j'appartiens. Ils savent que j'étais maçon. Ils savent... Bref, ils ont toutes les informations sur vous. Ils savent que j'enseigne le karaté. Ils savent que je suis quelqu'un d'une santé terrible. Ils savent que j'ai un médecin privé, et j'ai un autre médecin généraliste, j'ai un autre médecin qui s'occupe de réajustement physique. Ils ont toutes ces informations à partir seulement de ceci. Voilà pourquoi vous voyez la partie là. C'est là, comme une carte. Dès que le policier même vous arrête, il fait rentrer comme ça, clic, c'est fini, tout sort. Et c'est des clics là qui vont savoir que, donc, monsieur Noubier là, c'est organ donor, oh cool. Et puis, il est en bonne santé. Son groupe sanguin, c'est O. Il est AA. Atteint ça. Hein? Il nous faut ce type-là. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Je vous explique la réalité. C'est vrai, ce que je vous dis. Ce n'est pas de la superstition. Bien. Il habite quel code postal? Oh, il est au code postal 7525. Ok. D'accord. Il sort du travail à quelle heure? Oh, souvent, il sort du travail autour de... Bon, attendez, il est fonctionnaire. Oui, ok, c'est très facile. Hein? Oui, c'est très facile. Allez, on va taper dans la machine. Mr. Vandelin, working where? MHA, Mental Health Hospital Campus. Boom. Staff names, what's the name? On ouvre. Oh, cool. All right. Schedule. Oh, he goes home at 9 p.m. OK. D'accord. Donc, tous les soirs, il rentre chez lui à 21h. D'accord. OK. OK, d'accord. Est-ce qu'il est de repos souvent les samedis? Non, c'est un samedi, il est de repos. Là, je vous parle du crime organisé, crime rituel au niveau des États-Unis. Partagez-moi cette vidéo même auprès de n'importe quel Américain si ce que je raconte c'est du mensonge ou pas. Parce que je ne suis pas en train de fabriquer. D'abord, je ne m'intéresse pas à raconter du mensonge. C'est si je partage ça avec vous, c'est pour vous protéger les jeunes. Même étant aux États-Unis, on peut toujours vous avoir. Au Canada, en Europe. Vous pensez que c'est pour rien quand Macron a dit? C'est pas moi qui invente, hein? Les vidéos circulent. La bête est ici. Eh oui, la bête, elle est là. On ne peut rien, la bête est déjà là. Bon, lui, la bête qu'il parle, moi, je ne connais pas. Mais ceux qui sont spirituels comprennent.
Ici aux États-Unis, nous savons tous le projet. Hein? Le monde nouveau qu'eux proposent. La nouvelle société qu'eux proposent. Écoutez, moi je ne veux pas venir parler de ces choses-là, mais moi je viens seulement sensibiliser ma jeunesse africaine. Donc, une fois ils ont identifié là où vous habitez, oh, ils ont le programme. Et puis, regarde que vous êtes quelqu'un de musclé, qui est fort, qui n'a aucun problème de santé. Vous savez, ici aux États-Unis, quand tu partais voir un médecin, est-ce que vous avez attrapé diabète? Non. Hémorragie? Non. La hernie? Non. Ceci, cela? Non. Sida? Non. Cœur de problème du cœur? Non. Ah, ça, c'est quelqu'un en bonne santé. Hein? Et souvent, dans mon dossier, c'est ça. Non, 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 non. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le téléphone. Ils vont prendre le téléphone. Ok, on va contacter le gars là. Il travaille où? Oh, c'est un gars qui travaille à la compagnie de transport là. Il transporte les véhicules du Canada jusqu'ici. Ok. La compagnie c'est quoi? Oh, Hans Transportation. Ok, Hans Transportation. Oh, listen, man, you a truck driver, right? Yes. Ok, what's your schedule? Oh, I'm off tomorrow, sir. Ok, can we have an appointment with you? Vous êtes de repos demain? Oui, venez, venez. On a un rendez-vous avec vous. On appelle ce chauffeur-là. Vous savez ce qu'on appelle aux États-Unis truck driver? Truck driver, c'est les gars qui conduisent les semi-remorqueurs, les gros camions là, qui transportent des containers. Et quand ils vous écrasent, vous êtes carboigné. Là, ils ont tué un jeune médecin là, il y a 2 ou 3 ans. Un jeune Guinéen, le pauvre. On l'a écrasé. Bon, lui aussi, c'est de sa faute parce qu'il a traversé sur la voie express. C'est interdit aux États-Unis. On ne traverse pas la voie express. On t'écrase là, c'est cadeau. Bref, bien. À supposer, le chauffeur s'appelle Robert. Ok, Robert, we have a special mission for you, ok? Et ce Robert-là aussi, c'est un franc-maçon. Je vous informe. Et si on a les maçons, même les cuisiniers, c'est des maçons. Même les chauffeurs, c'est des maçons. Chacun dans sa catégorie. Et ils ont les informations de tout le monde. Bon, toi, le monsieur-là s'appelle Tata Nyangu. Hein? Il est d'origine gabonaise. Il travaille à la psychiatrie. Il est psychothérapeute. Souvent, il sort du boulot à partir de 21h. D'accord? Oui, oui, oui. OK. Bien, on a besoin de ses organes. Vous voyez? Ici, il dit qu'il est donateur. Donc, il peut donner tous ses organes. Et nous voyons, vous savez, monsieur, il y a le vieux sénateur là qui a 92 ans. Alors, son cœur ne pompe plus bien. Et ce monsieur là a un très bon cœur. Vous savez comment ça se passe? Oui, oui. Bon. Et ensuite, il y a monsieur le gouverneur qui a un problème avec ses poumons. Il lui faut des nouveaux poumons. Ah bon? Oui, oui, ok, d'accord. Donc, rassurez-vous que lorsque vous allez le buter, il respire encore et qu'il perd connaissance. D'accord? Oui, oui. Ok, laissez-moi appeler l'hôpital Sainte-Anne. Sainte-Anne Hospital? Yeah. This is Mr. James Oren. Can I talk to your general manager or CEO? Yes, sir, just hold on. Puis-je parler à votre directeur général? Oui, ne quittez pas, monsieur. Hey, Jim. Yeah, that's me. Oh, what's going on, man? Listen, I need to get the room 525. Do you have any available black operating room available? Est-ce que vous avez une chambre d'opération disponible? Ah, oui, 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 il n'y a pas de problème. Oui, 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 c'est 515. Quoi, il y a un client ce soir? Oui, 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 le client viendra. Je t'appelle. Voilà, moi je viens du boulot tranquillement, tout content, en train de chanter, en train d'écouter mon mongongo. Et voilà un grumier qui vient là-bas, un gros camion, qui vient me faucher. Bam, bouf, 4 roues en l'air. Je perds connaissance. Je suis encore en train de respirer. Je ne le souhaite pas, mais c'est ce que je vous dis. J'ai vu. Ça s'est passé devant moi, ici, là, en 2005. Quelqu'un. Et quand on a vérifié, il était donneur d'organes. Donc, te voilà maintenant, Calboigny, on t'amène vite à l'hôpital Sainte-Anne. C'est un hôpital qui existe, hein, qui est à peu près à 3 km d'ici. Sainte-Anne Hospital. Donc, on t'amène là-bas à Sainte-Anne et on va te mettre dans le bloc. Et puis, tous les médecins, 99%, c'est des maçons. La religion, ce n'est qu'une couverture. D'accord? Je vous dis la vérité. Donc, tous les médecins se retrouvent. Ok, the body's there, yeah. What's the stage? What's the state of the heart? Or still beating? Good. It's blood fresh? Yeah. Still breathing? Yeah. All right. Et puis, pendant que mon épouse, la famille là-bas, oh, c'est comment là-bas, yayo? Oh non, on est en train de chercher à réanimer le corps, ça, bah, ça, c'est grave, c'est grave. Ils vont tout faire. Ils vous arrêtent, on vous arrache l'organe.
Et les médecins viennent avec leur arme de crocodile, leur larme de crocodile là. Ils viennent maintenant devant la pauvre femme. Oh, Angélique, vraiment désolé. Votre mari, ça n'a pas tenu. Vous pensez que je blague? Je fais de la comédie? C'est cela, chers jeunes. Même pendant que vous vivez aux États-Unis, vous voulez maintenant vivre comme je ne sais qui, parce que vous êtes au pays des Blancs, vous vous croyez permis de n'importe quoi. Voilà la pauvre Angéline qui va se retrouver veuve. Alors que le mari pourrait bien survivre l'accident. Mais puisque sur son papier là, il a dit donneur d'organes, vous qui venez pour la première fois aux États-Unis, évitez d'accepter des conneries. Si vous ne comprenez pas anglais, cherchez un interprète. Cherchez un interprète pour vous expliquer what the meaning of organ donor, qu'est-ce que ça veut dire. Demandez cela, s'il vous plaît. Mon peuple meurt par la faute à cause de l'ignorance. Manque de connaissances, ça nous tue. Et moi, quand je viens parler ici, il ne faut pas penser que je suis en train de rigoler. C'est des vérités que je vous dis. Merci beaucoup, vraiment, pour les fleurs. Merci pour les roses. Merci, merci beaucoup. Merci. Voyez-vous? Donc, vous êtes là. Eh bien, ces mecs qui sont dans le crime organisé, sophistiqués, ils ont pris vos organes. Et même votre appareil génital, au zizi, ils vont le prendre pour que quelqu'un qui en aura besoin, bon, surtout s'il constate que c'est un Africain qui est bien monté. Vous savez ce qu'il va faire avec ça? Il va le prendre. Ou bien quelqu'un, le cœur est en bonne santé. Mais comme je disais, la scène, monsieur le sénateur avait fait une demande ici, là, que non, il y a le cœur qui ne va pas. Mais on va lui donner ce cœur-là. Monsieur le gouverneur, il a les poumons qui sont abîmés. Mais on va lui donner les reins. Bon, il y a un client là, il était médecin en chef de tel hôpital, mais il a la recherche des reins depuis près de 4 ans, il est en liste d'attente. Les demandes sont tellement nombreuses. Voici une victime. Voilà ce qu'on appelle les crimes rituels organisés mais sophistiqués. Mais non, nous on est là, bêtement en train de dire, oh non, moi, l'Amérique est mieux. Vous qui me demandez là, vous voulez rentrer dans les loges. Vous comprenez? Vous voulez rentrer dans les loges. C'est bien beau. Mais ne pensez pas que vous êtes épargné également des conneries qui se passent en Afrique, que vous êtes épargné parce que vous êtes au pays des Blancs. Mais les Blancs, ils utilisent beaucoup plus la sophistication. Les mêmes pratiques qui sont parties d'ici, qui vont là-bas, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que ça va changer, je vois. Bref, voici un exemple palpable. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y a l'exemple des filles, les détournements. Il y a des enfants qui se perdent. C'est dommage, je n'ai pas amené les journaux. Vous verrez, ceux qui sont aux États-Unis, on montre le journal. Oh, disappeared, left the house since 2021, whoever finds her, please. C'est posté. Mais vous savez où se trouvent ces enfants-là? Vous savez où se trouvent ces enfants? Ils se retrouvent dans des zones où on est allé les prendre. Comme il y a des femmes célèbres, il y a des mamans qui ne veulent pas vieillir. Il existe une technique de l'esthétique où on prend les peaux de ces jeunes filles-là, une peau vivante, et on les attache. C'est des choses qui existent pour vous informer. Donc, il n'y a pas que seulement au pays d'Afrique. Ayons un regard où on peut changer cela. Jeunesse, êtes-vous prêt à changer cette donne? Qu'est-ce que vous avez à chercher à vous précipiter dans les loges? Je ne suis pas contre, ils sont là, je vous dis. Et je les vois, ils sont là. Plein de logistes qui sont en train de me regarder là. Il y a les bénéfices, mais il y a aussi les bénéfices quand vous êtes dans votre boutique. Il y a aussi les bénéfices quand vous êtes dans votre religion tranquillement en train d'adorer votre Jésus. Moi, je n'ai pas dit ici, là, que les amis qui sont chrétiens, là, me pardonnent. Moi, je n'ai pas dit ici, là, que votre Jésus, là, en tant que Grégoire ou Esprit, n'existe pas. Moi, je m'a dit, je ne suis pas d'accord avec le Jésus tel qu'on l'a décrit. Je ne crois pas un Jésus qui est blanc. Il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Je l'ai toujours dit. Parce qu'on a des bonnes informations sur ce type-là. D'accord? Mais c'est un esprit bel et bien fort. Mais pourquoi ne pas vous accrocher à votre Jésus? Vous voulez mélanger tout. Je vois des pasteurs. S'il vous plaît, des pasteurs qui sont dans la magouille avec ce mec-là. Ça se passe en Afrique. Je connais beaucoup de pasteurs qui étaient ici aux États-Unis. Ils sont dans les loges. Je vous ai parlé de cette loge qu'on appelle Prince Hall. Et encore certains qui se permettent de me contacter en primaire. Papa, donc Prince Hall, là c'est bon. Hein? Je peux rentrer. Comme ça, parle de la Bible. Prince Hall, je peux dire que c'est aussi une niche. Comprenez? La rose croix, vous savez que la plupart des maçons, FM, commencent par la rose croix. Vous le saviez, non? Donc la rose croix peut être aussi une niche pour lui permettre d'accéder à la franc-maçonnerie. Donc faites très attention. Je vais conclure sur le fait
que les gens ont traité mon fils, je le considère comme mon fils, ce jeune-là, qui est quelque part en France. J'ai reçu dans certains forums auquel j'appartiens là sur WhatsApp, mais mon Dieu, là où les policiers encerclent la maison, tout, mais c'est grave. Il dit certaines choses, on dit non, il est devenu fou. Et je vous ai dit, j'observe, je suis dans la psychiatrie depuis un certain nombre d'années, quand on observe les symptômes, quand on observe les expressions de l'enfant, il n'y a aucun symptôme qui montre qu'il est animé de ce qu'on appelle des états psychotiques, c'est-à-dire les psychoses. La véritable folie, c'est les psychoses, c'est-à-dire ce qu'on appelle psychosis en anglais. The psychosis is prelude to be showing somebody with schizophrenia. Souvent, les psychoses, les psychoses sont les signes évidents de la vraie folie, parce que souvent, ça vous amène à la schizophrénie. Et la schizophrénie, vous débilez, vous racontez n'importe quoi, vous entendez des voix, vous hallucinez. Ce jeune n'hallucine pas. Il a plutôt ce que moi j'appelle des troubles psychologiques. Il a des traumatismes. Et ça, je n'arrêterai pas de le dire. Les gens qui l'ont mis là-bas dans, je ne sais pas quoi, dans l'asile ou l'asile, les psychiatres qui vont le consulter vont vous dire ce que je viens de vous dire. Si on donne un autre diagnostic, c'est faux. Mais qu'est-ce que c'est les traumatismes psychologiques? Mais les traumatismes psychologiques résultent des connexions, des événements qui sont de l'environnement indirect, c'est-à-dire le filigrane invisible. C'est-à-dire il est manipulé par certaines forces. Et il est en train de lutter contre ces forces-là. Et ce sont ces forces qui le mettent dans cet état. Ces forces, c'est quoi? Il y a sûrement un individu qui, dans l'ombre, et ils savent de quoi je parle, puisque certains espions sont là, qui sont en train vraiment de vouloir ne pas le rater. Parce que c'est un jeune qui a plein d'énergie, beaucoup de force, plein de force. C'est ça qui m'a choqué. Et c'est cela qui me pousse à venir vous parler. Parce que là, il y a des gens qui disent que lui-même, il a dit, là j'ai écouté la vidéo lui-même ouvertement, où il parle que oui, vous êtes venu me contacter, je ne voulais pas rentrer dedans. Vous êtes venu me forcer à rentrer dedans, j'ai refusé. Mais il oublie une chose, le pauvre. S'il y a quelqu'un qui le connaît, même un fils qui peut écouter ce que je dis là. Souvent, quand vous refusez, hein, même si vous refusez, mais tant qu'il y a un intérêt pour eux sur vous, il faut avoir un esprit fort pour s'en sortir. Voilà pourquoi je vous prie d'aller regarder ma vidéo intitulée « Comment sortir d'une secte ou d'une religion ». Et ce n'est pas facile, je le reconnais. Dans cette vidéo, je fais mon propre témoignage, comment je fais pour sortir. Ce n'est pas facile, mais il y a des étapes qu'il faut observer. Pourquoi? Parce qu'ils vous engrainent, ils vous gangrènent, ils vous embrigadent à cause du greffage de votre âme à leur secte, à leur milieu, sous couvert des choses qu'on vous a données, que vous avez acceptées de manière innocente. C'est cela que j'appelle le filet. Souvenez-vous, le témoignage sur le pauvre Camerounais aujourd'hui, Dieu merci, il va mieux en Europe. On lui a fait tout ça, il a été pris dos contre le mur, il était même surpris. Mais franchement, il faut avoir la jugeote, comment on me donne tant de privilèges pour m'amener où? Donc, une fois de plus, vous avez le libre choix de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. C'est ce que Teta Monga Dibanga Banga, le grand créateur de tous les mondes, visibles et invisibles, a donné à l'homme. Mais il dit qu'il faut choisir à faire le bien, parce que par le bien, ainsi, tu vas honorer tes ancêtres également. Le bien, c'est bon. Le mal, tu ne dois l'utiliser uniquement que pour self-défense. Le mal, tu dois l'utiliser uniquement que pour te protéger. Le mal, tu dois l'utiliser non pas pour faire du mal à Dieu, mais pour faire le mal à l'ennemi, c'est-à-dire la protection. Voilà, c'est ça, les choses que moi, m'a appris dans mon bouti. Ce sont les choses que moi, m'a appris dans les milieux spirituels que je fréquente. Et donc, j'ai ouvert ma chaîne et mes TikTok là, pour venir vous motiver, oh, de dire que laissez ça, l'histoire des loges, ce n'est pas votre voie. Maintenant, si vous voulez aller par curiosité, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, tentez un peu d'aller du côté des Blancs, si vous avez la chance. On ne va pas vous péder, on ne va pas vous sacrifier. Mais réfléchissez-y. Réfléchissez-y à ces choses-là. Réfléchissez-y. Et ça, ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Et oui, ils font également les crimes rituels, mais ce sont des crimes rituels sophistiqués. Vous comprenez? Maintenant, y a-t-il des gens qui veulent poser des questions? Je ne veux pas trop vous garder longtemps, là. Il est même quelle heure? Bientôt 1h30. Je vais regarder, hein, les gens qui veulent poser des questions. Bon, je vais recevoir les deux premiers qui sont là, qui ont aidé. Ok. Maintenant, je vais. Voilà, j'ai pris deux personnes. Vous avez vu le sujet, les niches. Les niches. Donc, je ne veux pas que vous alliez hors sujet.
J'ai parlé des niches de FM là, c'est-à-dire les niches de la franc-maçonnerie. Si vous-même vous êtes franc-maçon, il n'y a pas de problème. Parlez, je vous écoute. Ou si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue? Voilà, j'ai terminé. Je vous écoute. Bien sûr. C'est comment? Il y a le calomniage là, on ne vous entend pas. Il y a un problème de réseau. Bonsoir, papa. J'espère que vous allez bien. Oh, bien sûr. Vous... Merci beaucoup fois. Pour ce que vous faites comme. Parce que, franchement, je tombe souvent sur vos vidéos TikTok et généralement, je ne fais pas attention, mais je ne sais pas si c'est. Je ne sais pas ce qui m'a inspiré, mais une fois, j'ai voulu suivre cela. Je pense que c'était quand vous étiez en train de développer le sujet sur qu'est-ce que c'est que le satanisme, voilà. Ce oui. jour-là, j'ai essayé de parler, mais je n'ai pas été retenu. C'est tellement qu'il y a beaucoup de personnes. Je parle depuis le Bénin, hein. Je suis un entrepreneur béninois, un jeune entrepreneur oui. béninois. Oui. Franchement, j'ai eu beaucoup de... Il y a eu certaines choses qui se sont passées, en fait, avec moi. Je ne sais pas. Il paraît que je suis un peu talentueux, légèrement, parce que depuis l'université, j'ai eu à diriger, je vais dire, un club qui parlait de la santé sexuelle, qui était quand même un club assez sain, où déjà en troisième année, il y avait une jeune chambre internationale qui a essayé de me porter dans le temps avec les membres de mon équipe et tout. Pour moi, naturellement, je ne m'investis pas dans ce que je m'explique pas. Donc, je cherchais à comprendre, en fait, qu'est-ce que j'aurais comme engagement. Parce que j'avais déjà appris qu'il y avait plein de rumeurs, ou je vais dire rumeurs parce que je m'explique pas véritablement, que ces associations, ces clubs, en fait, sont des passerelles pour accéder à ces différentes organisations, parfois, qui ne sont pas bien pour nous. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai une amie que j'aime bien, qui est à fond dedans, qui a déjà fait 5 ans de vie associative avec eux. Et je pense que plus tard, je vais essayer de vous donner pas tous les moyens pour avoir l'enregistrement de cette vidéo-là, afin de partager avec eux pour quand même la sensibiliser. D'accord. Il y a l'année passée, je dirais l'année passée, j'avais eu. Nous sommes une agence de gestion de vous voyez, donc nous sommes une agence immobilière dans les recouvrements. Donc, j'ai commencé à 22 ans, j'ai commencé à 22 ans, et aujourd'hui, j'ai pas beaucoup, j'ai à peine 26 ans. Et j'ai une forte équipe de plus d'une dizaine de personnes, on travaille ensemble et tout, on est tous un peu connus au pays. Et j'avais eu un locataire d'une cliente qui a une grande maison, qui avait loué en fait. Son papa, c'est un grand, c'est véritablement grand du pays. Et il est aussi dans les affaires et tout, il fait un peu de la politique et tout. Et le monsieur, je ne sais même pas par quelle magie ou quelle possibilité lui, il s'est retrouvé en tant que locataire. Parce que de la famille dont il venait, normalement, il ne devrait pas être en fait un locataire, quoi. Donc, 2 mois après la maison, qu'on ait pris la maison en gestion, il est rentré en difficulté, de véritables difficultés, où il est capable de payer le loyer et tout. Bon, ici, nous, quand vous ne faites pas le contrat, et on vous amène devant on vous traduit en justice pour faire votre expulsion de façon forcée. Donc, dans la discussion, il me parlait, il m'a dit que il est aujourd'hui dans la FM. Et que c'est une fois qu'il a mis dedans, que son propre père, en fait, est un grand maître dedans et tout, et que voilà, c'est un sage de l'organisation. Et il me parlait un peu de tout ce que l'association a, en fait, tout ce que je peux avoir comme avantage m'intégrant et tout. Bon, il m'a même proposé, en fait, de le copier, parce qu'il me disait que si je rentre dedans, qu'il avait plein d'amis qui sont receveurs, enfin, inspecteurs des impôts, receveurs et autres, qui ont plein de maisons. Qui pourront me confier que moi j'allais facilement gérer, ça me permettrait de faire grandir ma boîte et d'évoluer et tout. Pour moi, je lui ai dit que je ne voulais pas, que je ne m'étais vraiment pas intéressé. Je dirais,
2 semaines ou un mois après, il revient encore me voir pour me dire qu'il y a son papa qui a une parcelle, un lot de 4 parcelles à vendre. Et que c'est un lot de 4 parcelles et que c'est enfin, dans un de nos quartiers ici. Les 4 parcelles doivent faire un truc de 100 millions de poussière, quoi. Et que son papa, en fait, aujourd'hui, a besoin de moyens. Il veut juste histoire de gérer son souci avant que l'on ne puisse vendre la parcelle et plus. Dans le souci de permettre les autres de participer, s'il vous plaît, le témoignage que vous venez passer là, vous venez nous communiquer, j'apprécie, c'est un très bon témoignage. Mais il faut savoir que souvent ces gens-là ne baissent pas les bras. Quand ils veulent de vous, ils vont tout faire. Ils vont tout faire. C'est un grand combat que vous allez mener. Et face à ce combat, c'est à vous de déterminer si vous serez le gagnant ou le perdant. D'accord? Mais sinon, vous avez bien fait. Ben, si ceux qui peuvent, vous pouvez prendre cette vidéo ou bien lui partager ça ou bien demander lui de s'abonner sur mon compte TikTok ici. La vidéo va être là. Je peux la reposter sur YouTube le moment venu. Mais ce que je vais dire, il faudrait que les gens comprennent très bien. Je n'ai pas dit ici que je viens faire la guerre à nos frères des FN. Il y a certains qui sont à l'aise là-dedans. Il y a certains qui n'ont pas fait de sacrifices, qui n'ont pas fait quoi que ce soit. Ce que vous venez de mentionner là, ça s'appelle les bénéfices. C'est le deuxième degré de l'appartenance à une loge, quelconque qu'elle soit rosicrucienne ou maçonnique. C'est la fraternité. Ça, c'est normal. Ils vont toujours vous aider. Vous allez toujours aller en aide. Vous-même aussi, vous êtes appelé à aider parce que dans la forme, c'est quand même obligatoire de pouvoir payer ses quotes-parts, c'est-à-dire les memberships ou encore les frais d'appartenance à ces milieux-là. Et en retour, ils attendent de vous. En retour, ils attendent de vous également d'aider, l'aide. Ce n'est pas obligatoire, mais souvent c'est souvent spontané, c'est ce que je remarquais là-bas. Mais cette spontanéité, derrière cette spontanéité, se cachent également des intentions lugubres qui parfois peuvent amener certaines personnes à se renier elles-mêmes et à faire des pratiques contre leur propre volonté. C'est ce danger-là que moi je viens dénoncer et que moi je viens vous sensibiliser. Mais sinon, en tant que tel, blanc comme noir, hein, il y a ceux qui sont là-dedans, comme on trouve dans les milieux religieux, il y a des canards boiteux, il y a des pasteurs qui commettent des adultères, il y a des pasteurs qui détournent les sous de l'église pour acheter des Mercedes, en train de mentir les membres de l'église que non, c'est l'argent pour l'évangélisation. Ça, là, on le sait. Mais on trouve des canards boiteux partout. Mais le fléau de la FM, il est tellement scandaleux. Les familles se retrouvent divisées. Aujourd'hui, les jeunes ne peuvent plus. Et là, je tiens à vous féliciter, hein, jeunes entrepreneurs indépendants, restez loin de ces choses-là. Ce n'est pas ces choses qui vont vous faire prospérer. Maintenant, si vous n'avez pas un Dieu vers qui il faut se tourner, c'est le grand moment de vous joindre à mon aventure où j'invite la jeunesse africaine à se connaître soi-même. Apprenez à vous connaître vous-même. J'ai des méthodes, j'organise des séminaires, j'ai des forums où les gens discutent de ça, je donne des exercices, j'ai des vidéos pratiques. Et également, le deuxième moyen, c'est de pouvoir croire à vos ancêtres. Les ancêtres ne sont pas morts, ils sont là. Voilà, c'est en fait ça le sens de mon message, pour dire aux gens de se tourner vers vous-même. Si vous êtes chrétien de l'Église et que vous jouez le double jeu, arrêtez le double jeu, n'allez plus chez ces FM-là, restez à votre Église. Si vous êtes, alhamdoulilah, musulman, vous dites tout le bismillah, et puis au même moment, vous êtes encore dans les histoires des FM, arrêtez cela. C'est en fait ça le sens de mon message. Restez à votre pratique religieuse, restez à votre tradition, mais attention, attention avec cette affaire de, comment dirais-je, des niches de la FM, parce que souvent, ça ne finit pas bon, ça ne finit pas bien. C'est en fait ça le sens de mon message ce soir. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous remercie beaucoup. Si j'ai encore 30 secondes pour me réveiller, hein. D'accord? Ok. Vous savez, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les opportunités. Donc, je souhaiterais avoir juste, je sais pas, un mail ou un moyen pour vous contacter plus tard. Histoire de savoir comment, si vous détectez en fait cette opportunité-là qui pourrait un jour, je ne voudrais pas me faire avoir en fait, parce que je sais que je vais réussir, mais je n'ai pas besoin de ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Je peux vous faire une consultation privée. Dans ce cas, il faut vous abonner déjà là à mon compte.
Une fois que vous abonnez, vous me mettez, vous m'envoyez un message en inbox et je vais vous répondre. Présentez-vous un petit rappel, parce que là, il y avait près de 600 et quelques personnes branchées, donc il faut me donner votre nom. C'est vous, monsieur Olanihi? Ok, d'accord. Donc là, au moins, je retiens le nom. Vous me faites un petit message et je vais vous répondre, ok? Merci beaucoup et passez bonne soirée. Je vous en prie. Je vais prendre donc deux autres personnes et puis je vais finir. Allez-y maintenant, vous pouvez vous présenter par rapport à la thématique de ce soir. Hello. Oui, allô? Allô? Oui. Je viens pour un petit témoignage. C'est vrai, je vous suis, ça fait déjà un bon moment. Par rapport au petit béaba de certaines pratiques que vous avez énumérées, je voulais faire un témoignage à mes frères et sœurs parce que j'avais été introduite au Rotary Club par un ami, vraiment un ami de confiance avec qui j'ai fait de la troisième en première et en première que il m'a introduite. Et moi, j'étais inconsciente, je n'avais jamais entendu parler de ça, je ne savais pas qu'est-ce que c'était le Rotary. Mais du coup, quand j'étais arrivée, le gars m'a fait comprendre que c'était du bénévolat. C'est comme ça qu'il m'avait fait comprendre que c'est du bénévolat et tout. J'assistais aux réunions, une, deux, trois réunions et tout. Mais au fur et à mesure que j'assistais, j'étais devenue, on peut dire, la chouchoutée du plus grand représentant, pas seulement le président du club. Parce que j'étais au Gabon, c'était au Gabon qu'on m'avait introduite. Donc, et au fur et à mesure, je comprenais que c'était plus du bénévolat parce que j'avais, on partait maintenant dans des grands hôtels et après nous avons fait des cartes laissées partout, laissées passer. Et à un moment, moi, comme j'étais la chouchoutée, donc j'étais maintenant habillée par on appelle ça comment, par des maisons de prêt-à-porter et tout ça là, mes parents ne savaient pas. Ils se disaient peut-être que c'était mon ami qui me donnait peut-être des petits cadeaux et tout. Mais ça, c'est qu'après, on a eu des grandes réunions. Moi, j'ai assisté à des réunions auxquelles je ne m'attendais pas, où on était avec tous les grands Rotary du Gabon et tout. Et à travers le Rotary, j'ai connu beaucoup de personnalités vraiment publiques là-bas que je vais taire les noms. Un mois après, on devait accueillir au Gabon, on appelle ça comment, la responsable du Cameroun. Elle devait venir au Gabon. Elle devait venir faire une cérémonie avec nous. Et pendant cette même semaine, moi, je devais être parrainée. Parce que j'ai fait 2 ans là-bas. Oui, et j'étais maintenant beaucoup active. Mais pour moi, dans ma tête, c'était toujours de bénévolat. Après, j'ai ouvert les yeux et tout. J'ai commencé à me poser des questions. C'est quel genre de bénévolat et tout. Après, nous sommes partis. On devait passer à la phase initiale. Comme j'avais dit, on devait être parrainé. Et le gouverneur du Cameroun, le représentant du Cameroun, devait nous parrainer. Par grâce, je peux dire, par la grâce de Dieu, ma mère avait fouillé la chambre, elle nettoyait, et puis elle a vu la carte laissée passer du Rotary. Donc, elle a paniqué, elle avait commencé à m'appeler. Et je suis arrivée à la maison, j'étais même à la réunion en question. On avait une réunion de 19h à 22h. Elle avait tellement insisté à m'appeler, je ne répondais pas. C'est comme ça que je suis arrivée à la maison. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait là-bas et tout. Je lui ai expliqué que non, c'est du bénévolat. Elle m'a dit que quel bénévolat? Pourquoi dit que c'était du bénévolat? Et puis, je dis que j'avais jamais entendu, vraiment, j'avais jamais entendu parler de ça. C'était avec mon camarade de classe là. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais en train de me foutre dans la merde parce que je passais déjà à l'étape d'initiation. Je devais déjà être parrainée par un monsieur de la place. Mais pour quitter là-bas, c'était un peu difficile parce qu'il m'avait déjà donné, on m'avait déjà donné des opportunités. Et c'était vraiment difficile. Vraiment, j'avais failli passer parce que c'était très difficile pour moi. Donc, je voulais juste dire à mes frères et sœurs de vraiment faire attention à nos amis, à nos choix, et d'être beaucoup vigilants. Et merci à vous pour ce que vous faites, de toujours nous édifier. C'est vraiment un grand plaisir.
Oh, je vous en prie. Ce témoignage nous va tout droit au cœur. Tout le monde vous a écouté. Ils sont encore là, près de 500 personnes, sans compter les partages. Vraiment, ce témoignage va toucher plus d'une personne pour comprendre que je ne suis pas venu prêcher en l'air. Je ne suis pas venu parler en l'air. Que cette niche, la niche qu'on appelle Rotary Club, qui a pris ses origines ici aux États-Unis, c'est une niche qui est là pour servir de courroie de transmission, de vous amener direct là-bas à la FM. Donc, je n'ai pas prêché dans l'air, voilà un témoignage. Et je suis sûr qu'il y a des millions de témoignages comme ça à travers la planète à propos de ça. Merci beaucoup pour votre participation, maman. J'aimerais recevoir la prochaine personne. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Vandeline, je suis très. C'est Vandelin, oui, mais Moiréon Nouvier, c'est mieux. Parce que les gens ont des problèmes pour prononcer ce nom-là. Les Américains m'appellent Vandelin, d'autres m'appellent. En fait, c'est Vandelin. Yeah, je vous écoute. Merci. Je suis très. J'ai été captivé par votre live. Je suis tombé comme ça par hasard. Ouais. Donc, du coup, moi, j'aimerais comprendre le pourquoi certaines personnes se jouent les victimes dès qu'une fois ils sont associés dans des loges ou, enfin, comme vous voulez. Pourquoi ils viennent jouer les victimes sur les réseaux sociaux pour en parler. C'est-à-dire les personnes qui ont été ou bien qui ont été attirées ou les personnes qui ont l'intention de rentrer. Les personnes qui ont été attirées et les personnes qui y sont. Et après, quand ça tourne mal, enfin, je sais pas si ça tourne mal, mais quand ça n'est pas à l'auteur de ce qu'ils attendaient, ils commencent à se plaindre. Ça, c'est la question. Ok, je vais vous répondre directement à la question. Puisque j'ai effectivement beaucoup de personnes qui se sont rapprochées de moi et se sont plaintes. Vous savez, la vie est un choix. Exact. Personnellement, au Gabon, j'avais été approché par plusieurs personnes pour rentrer là-dedans. En l'occurrence, mon grand-père en 1975. En 1974, on a commencé à parler de spiritualité. Il a commencé à m'introduire. Mais dès 1975, il me dit, bon, écoute, tu as maintenant 13 ans, bientôt 14 ans. Je crois que, voilà, il m'a montré les livres. À l'époque, c'était beaucoup plus dans les livres qu'on apprenait ces La histoires-là. lecture, ouais. Voilà. Et je m'en souviens que ces livres-là, je les ai conservés jusqu'aujourd'hui. Nous lisons beaucoup. Il m'a dit, mais il m'a dit, non, je ne veux pas te mettre là-dedans. Mais un jour, quand tu seras grand, n'oublie pas. J'ai dit d'accord. Le libre arbitre. Et quelques temps après, bien sûr, en 1999, j'étais déjà un adulte. Ici aux États-Unis, à Baton Rouge, Louisiane, je décide de moi-même. Je prends mon bâton de pèlerinage et puis je rentre. Ce fut mon propre libre arbitre. J'y Bravo. suis rentré. Et quand je suis rentré, bon, en 2019, j'ai fait une petite communication. Je leur ai dit, écoutez, vous allez constater que je ne veux pas être trop actif parce que je ne voyais pas trop ce que je faisais là. Parce qu'il n'y avait pas le côté spiritualité, c'était pas ça. Les gens prenaient plutôt avantage de ma spiritualisation, de ma spiritualité. C'est beaucoup plus côté matériel. Voilà l'une des raisons pour lesquelles je me suis démarqué. Maintenant, les gens qui viennent se plaindre, moi je ne sais pas. Hein. Est-ce que parfois même quand j'écoute les témoignages, ce sont des témoignages parfois qui sont des pièces, de toutes pièces montées. Des fois, ce n'est pas la vérité. Les gens ne sont pas Exactement. honnêtes. Les gens ne sont pas honnêtes. Parce que pour quelqu'un qui a été là-bas, qui est rentré, qui a subi les premiers rites, les premiers symboles, le langage, le code, ne peut pas venir dire ici après que, oh non, ils sont satanistes, ils sont ceci. À partir du moment où, je ne parle pas en tant qu'avocat, je parle de quelque chose que j'ai expérimenté, hein. Ouais, La je majorité des ressens les pasteurs. vibrations. Voilà. Merci beaucoup. La majorité des pasteurs que vous voyez en Afrique, ici aux États-Unis, la majorité des Libyens, ils sont dans les loges, surtout la loge de Prince Hall. J'en sais quelque chose, je Je discute connais. avec eux. Oh. Voilà. Maintenant, d'autres qui rentrent et puis viennent parler qu'on non, c'est diabolique. Dans toutes les loges du monde entier, ils utilisent la Bible, tout comme toutes les assemblées de Dieu utilisent la Bible. Exactement. Mais je suis arrivé au raisonnement suivant.
Et eux-mêmes, ils le savent, parce qu'un jour, j'ai sorti un enseignement ici, mais qui en réalité est sataniste? Sataniste, finalement, tout le monde l'est. Que vous soyez musulman ou chrétien ou je ne sais trop qui, tout le monde est sataniste. C'est-à-dire, expliquant le mot sataniste à partir de Satan, qui veut dire opposé à la loi, opposé parfois aux principes, parfois entraîné par la nature humaine qui peut nous amener à nous compromettre, même face à nous-mêmes seulement. Ça arrive. Donc, tout le monde est sataniste. C'est-à-dire qu'il peut arriver que vous commettiez une erreur. Et de... Voilà. Donc, on ne peut pas traiter. Un chrétien ne peut pas se lever un bon matin pour venir dire que non, le gars qui a la franc-maçonnerie, il est sataniste. Ou bien sataniste, je ne sais pas moi, un bouddhiste, on va l'accuser de sataniste parce qu'il fait son rite des ancêtres. Rassurez-vous, hein, j'ai été toujours victime. On m'a toujours dit que je suis sataniste. Mais à la fin, quand j'ai donné cet enseignement pour expliquer sataniste venant du mot Satan, Satan qui veut dire celui qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose aux lois, ou bien tout violateur de loi, tout violeur de loi, autant pour moi, est un sataniste. Le débat est clos. Moi, je dis, la vie est un choix. Et on se sent mieux là où on part. Et c'est ce Exactement. que j'ai dit avant que je ne vous fasse rentrer. Je même dis Voilà. à un autre jeune là, qui je crois il est encore branché, qui est au Bénin, au Togo, je lui ai dit que il y a des gens qui se sentent bien là-dedans. Moi, je vous dis, j'ai un grand-père, il est resté jusqu'à sa mort à l'âge de 93 ans. Il n'a jamais sacrifié quelqu'un, il n'a jamais fait quelqu'un. Et pourtant, il était membre de la loge. Donc, Mais c'est moi, je sûr. dis, on trouve, là où on trouve son bonheur, on y reste. C'est pour cela que je dis, je ne viens pas faire ici attaque à mes frères. Loin de là. Mais le problème, je sensibilise aussi la jeunesse de ne pas trop se baser sur ce qu'on appelle le... J'ai utilisé un propre langage à moi, les déclarations gratuites, des faux témoignages. Tant que vous n'avez pas été dans un milieu, il faut éviter d'inventer. Oh non, il y a mon grand-père là, il a fini toute la famille dedans. Bon, simplement, par exemple, le cas de mon pays, le Gabon, le fait que vous osiez dire que vous êtes maçon, mais mon Dieu, les gens même changent de route. On ne peut pas vous serrer la Je main. suis persuadé que ma présence là, il y a certaines personnes qui remarquaient déjà enfin, ma photo, ils se disent déjà des choses. Ok, Non, allez, c'est ça, c'est moi pas je ne me je ne me cache pas. Et il y a ce truc là qui court maintenant partout sur les réseaux sociaux où des gens disent ouais, maintenant ils se cachent plus, ils font des trucs ouverts. Bon, je vais expliquer un petit truc. The Brotherhood, hein, c'est comme toute autre chose, comme vous avez cité, des religions. Ce sont des clubs que des personnes se réunissent. Excusez-moi si je parle pas bien français. Ce sont des Non, clubs où, allez-y, ce allez-y. sont des clubs où des personnes se réunissent pour partager certaines idéologies. D'accord? Bon, maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Il faudrait arrêter de dire du n'importe quoi sur certaines choses que vous ne connaissez pas. This is criminal. Sans connaître quelque chose, il faudrait pas ouvrir votre bouche parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver en retour. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Ah. Enfin, vous ne vous adressez pas à moi, vous parlez à l'audience, d'une Moi, manière je bien générale. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, Donc, je vous comprends. Je vous comprends très bien. être et appartenir à une niche, j'utilise vos termes, ne voudrait pas dire forcément que vous êtes sataniste ou je sais pas quoi, les trucs que les gens pensent. Autre chose. Le fait d'appartenir à une niche, c'est comme être dans toute autre chose. Moi, je suis là. Quand ça. Je peux parler en anglais parce que c'est le Please français. go ahead. I don't care. I'll try to translate. I mean, not translate, interpret to the audience. Ok. We don't do things. Because we want to do things. Okay? Be part of a brotherhood doesn't mean that we all like, we do scary things or we do satanist things. Not just like that. The Ifem is.
Bon, il a été interrompu, je sais pas ce qui s'est passé. Ce qu'il voulait dire, c'est quoi? C'est que le fait d'appartenir à la fraternité, ce n'est pas forcément ce côté effroyable, ce côté lugubre, d'accord? Et je crois qu'il rejoint ce que je viens de dire, qu'en fait, il y a des bons, tout comme il y a des mauvais, dans toute société organisée, dans toute société secrète. Mais malheureusement, la mauvaise presse, la presse qu'il y a ici au niveau des pays africains, je crois que lui, il est membre ici au niveau des États-Unis. Vous n'allez jamais entendre, pour toutes ces années que je fais avec eux dans la loge ici, on m'a jamais demandé d'aller sacrifier quelqu'un. On m'a jamais demandé, je ne sais pas, me faire prendre quoi, quoi, quoi. Non, c'est juste, vous payez vos cotisations, vous faites la ritualie, vous suivez des cours en ligne, comme je l'ai dit la dernière fois. Maintenant, y a-t-il forcément tout le monde est bon? Non, il y a aussi des PD dedans. Je connais des gars qui sont homosexuels, qui sont des frères maçons. Mais ça ne veut pas dire que, parce que ce frère-là est en gauche, c'est à la franc-maçonnerie qu'on a passé le temps à l'enfiler ça. Non, pas du tout. Mais vous verrez que c'est complètement un contraste, malheureusement, avec d'autres loges, pas seulement l'Afrique. J'ai observé cela au Brésil, que les gens dans leur tête se disent que là, on rentre là-dedans, c'est fini. C'est pour aller se faire prendre aux fesses, c'est pour se faire des sacrifices. Mais, une fois de plus, les niches. Les niches qui font un travail de base pour pouvoir mieux préparer le terrain et que ce mec se retrouve à la FM, ici aux États-Unis, ça se fait, ailleurs ça se fait, à la différence que malheureusement, le côté en Afrique, souvent on voit ce côté sombre. Je crois que je vais me répéter sur ce message, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on soit trop superstitieux. D'accord? On ne doit pas être trop superstitieux. Ce n'est pas parce qu'ils les ont dit. Vous avez vu. Il y a des vidéos qui passent sur YouTube, des frères maçons qui viennent dire non, moi j'étais dedans, j'ai accepté Jésus. Tu n'es pas obligé de venir raconter ta vie. Et il avouera des choses. Les sacrifices, on les trouve partout. J'ai fait le témoignage que même au sein des églises, il y a des satanistes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tranchent les têtes des gens. Ça s'est passé chez moi au Gabon. Un jeune qui était avec sa femme, sa fiancée, mais tellement il était pris de jalousie, il a égorgé la pauvre devant le pasteur. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais c'est moi pour conclure que vous, la jeunesse, moi je vous sensibilise que moi je parle de la jeunesse de chez moi en Afrique là. Vous cherchez du travail, évitez la vie facile. Parce que vous ne savez pas les gens qui vous sponsorisent. On sait comment ça finit souvent. Alors moi, à la rigueur, mon message est clair. La vie est un choix. Les gens peuvent rentrer dans leur FM, ça n'engage qu'eux. Mais moi, de par l'expérience que j'ai eue ici aux États-Unis, je peux vous dire rentrez-y. Mais tous, vous ne vivez pas aux États-Unis. Mais en Afrique, là, avec tout ce qu'avec des preuves à l'appui, des gens, de ce qu'il se passe, et de tous les simulacres que je vois, depuis un bon moment dans les réseaux sociaux, je vous dirai, mes chers fils, mes chers petits-fils, je vous mets en garde que, malheureusement, ces milieux, au niveau de l'Afrique, je ne vous encouragerai pas. Pas du tout. Si vous voulez pas curiosité, allez-y. Hein. Vous me direz, vous viendrez faire le témoignage ici. D'accord? Mais moi, personnellement, c'est le but de l'enseignement de ce soir. Un, que les FM qu'on trouve en Afrique exagèrent. Je vous ai donné le témoignage que les FM aux États-Unis, il y a des crimes, mais c'est des crimes sophistiqués et isolés. Et ça ne veut pas dire que c'est ça l'objectif de la FM. Non. C'est une école de philosophie, comme le jeune venait de le dire, malheureusement il a été coupé, une grande école de philosophie où les gens se retrouvent, on partage des connaissances, c'est surtout beaucoup plus réservé aux intellectuels. Je l'ai dit dans la vidéo qui est sortie il y a une semaine, et vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube, sur la question qui avait été posée sur cette affaire-là. Donc, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je crois que nous allons finir là. Je ne veux pas rester là pour toujours, il est déjà 20 h, je vais pouvoir me reposer. Et donc, ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous. Je ferai tout passer les connaissances dans ce sens-là. Les connaissances dans le sens où je ne vous encourage pas de vous lancer dans les choses des blancs. Je vous encourage de vous centrer beaucoup plus des choses de chez vous. La FM ou les niches que je viens de citer, ça n'a pas été créé au Gabon. Ça n'a pas été créé en Afrique. Ça a été créé au pays des blancs. Maintenant, si vous rentrez là-dedans, ça veut dire que vous acceptez que votre intellect soit. Votre intellect africain soit d'intellectualiser. Or, soit colonisé, voulais-je dire. Mon objectif, je ne veux plus qu'on soit colonisé spirituellement.
Je ne veux plus qu'on soit colonisé politiquement. Je ne veux plus qu'on soit colonisé religieusement. Je ne veux plus qu'on soit colonisé même mentalement. D'accord? Ça là, ce n'est pas fabriqué aux États-Unis. C'est fabriqué, eux, au Gabon. Ça, ce que je porte. C'est ça dont je parle. La colonisation, ça doit être dans tous les domaines. Et le volume est clair. Voilà la conclusion de mon enseignement ce soir. Ces niches que je suis venu déballer, il y en a plusieurs, hein, mais je vais parler seulement des trois principales. Il y en a plusieurs. Faites très attention quand vous embarquez dans ça, surtout quand vous êtes en Afrique. Et vous savez comment vous allez finir à la fin. D'accord? Mais, au même moment, mes frères qui me suivent, qui sont là-dedans, je vous ai pas, je suis pas venu vous insulter, oh, mais vous qui attirez ces enfants-là, il faut leur dire la vérité. Et vous, les enfants qui partez, qui ne voulez pas écouter le conseil du vieux, voilà ce que je vous donnerai comme sage, un conseil sage. Vous avez devant vous la vie et la mort. Et la vie est un choix. Vous avez le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. J'ai parlé, vous avez écouté les témoignages. Maintenant, c'est à vous de réfléchir face à votre conscience. N'oubliez pas, vous avez été créé à l'image de Dieu. N'oubliez pas, vous êtes la ressemblance de Dieu. N'oubliez pas que vous êtes esprit d'essence. Et n'oubliez pas que vous êtes un Dieu, vous êtes un créateur. Donc, religion, secte, ceci, cela, ce sont les hommes qui créent. Ce sont les hommes qui ont créé ces histoires de FM, ils ont créé ceci, cela, ils ont créé la religion parce qu'ils étaient calboignés, la vie, ça n'allait pas. D'accord? Retenez cela. Donc, j'en ai terminé. Ici, là, portez-vous bien. Bon, je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en attente. Bon, moi, je ne veux pas tous vous prendre. C'est ce qu'il a. Oui, de rien. Bon, je vois le prodigieux qui est là. Il y a Charles qui est là. Bon, je veux prendre Charles pour clôturer. S'il est branché, bien sûr, je crois qu'il est toujours là. Les salutations, mon père. Merci beaucoup à vous, pareillement. Merci d'abord pour l'opportunité. Je suis juste monté aussi, mon père, pour amener un poids. Oui. Donc, je vous demanderai vraiment surtout de voir sur ça. Parce que souvent, on vous écrit sur Facebook, Telegram, hein, surtout vos comptes. Mais jusqu'à présent, ça fait un mois sans réponse. Si vous pouvez voir sur ces points aussi, comment est-ce que vous pouvez réparer ça avec vos administrateurs, ça va beaucoup nous aider. Parce qu'il y a certaines choses. Oui, vous avez peut-être moi. On peut vouloir vous en parler en privé. Alors, il y a des fois on écrit, on n'a pas de réponse souvent. Ok, je vais vous expliquer pourquoi. Regardez ce soir-là, hein, quand vous êtes arrivé, il y avait près de 600 personnes. Et là, j'ai déjà une demande de près de 2400 demandes d'abonnement. Ce compte-là, les abonnés, je vous dis que c'est pas possible. Ça va jusqu'à 4-5 000 abonnés par mois depuis les 4 derniers mois-là. Je suis sûr que d'ici 2 mois, je serai déjà à 100 000 abonnés. Ça, c'est un fait. Et de deux, sur Facebook, je ne réponds pas trop là-bas. Pourquoi? Parce que depuis le début, c'est-à-dire depuis 2019, j'avais dit à tout le monde que, puisqu'on a créé maintenant les forums, quand il y a des questions à poser, il faut passer par le forum. Maintenant, dans le forum, là, il y a un règlement. Par exemple, vous avez constaté, aujourd'hui, mardi, ça veut dire que je serai obligé de récupérer demain. De dimanche jusqu'à mardi, normalement, je ne suis pas autorisé à parler. Mais aujourd'hui, j'ai parlé parce que c'est un fils du pays, il y a eu un problème sérieux, j'ai été perturbé. Je suis obligé de violer cette loi, mais je vais rattraper demain. Demain, on ne va pas me déranger. Ça, c'est un. C'est-à-dire que j'ai 3 jours dans la semaine où je n'ai pas le droit d'être dérangé. De deux, me contacter à mon téléphone privé, c'est uniquement, je crois que c'est expliqué dans le forum, lorsque vous avez pris un rendez-vous. Et les rendez-vous, il y en a deux. Il y a les rendez-vous de 10 minutes, mais mon Dieu, je peux vous dire actuellement, il y a plus de 9000 personnes. Je dis la vérité, près de 9000 personnes. Et je suis tout seul. Et je vous informe que je ne vis pas de ceci. Je fais ceci simplement, regardez là, c'est un jour de repos pour moi, je dois me reposer, mais me voilà là. Je suis allé quand même au boulot, mais je suis revenu. Il y a un moment, je fais même les vidéos étant au boulot. Je ne sais pas si vous avez constaté, les backgrounds sont différents. C'est parce que j'ai tellement de la passion pour ceci.
Je ne suis pas payé pour ceci, je ne reçois pas d'argent, sauf les consultations. Donc, première forme de consultation, c'est 10 minutes. Les gens qui sont programmés, ils donnent le nom, ils présentent le message, ils disent voilà. Et souvent, la raison pour laquelle je ne réponds pas pour la plupart, ça fait bien que vous fassiez cette remarque, ils ne se présentent même pas. Ils ne donnent même pas son nom, maître, bonjour maître, bonjour maître. On me répète le bonjour tous les jours, je dis mais mon Dieu, qu'est-ce que la personne veut? Il faut être bref quand vous voulez voir un médecin. Vous vous présentez, je m'appelle tel. Moi, j'ai un problème dans tel domaine. Est-ce qu'il est possible que je prenne rendez-vous? En ce moment, je vous répondrai oui. Et quand je réponds oui, eh bien, je vous dirai, voilà, vous êtes à telle position, vous êtes 49e. Bon, 49e, ça veut dire, je vous reçois dans 6 jours. Parce que par jour, je reçois moins 7 à 9 personnes, ça dépend. Les jours où je suis de repos, je peux recevoir jusqu'à 50 personnes. Et là, je vous prends. Et quand je vous prends, hein, j'ai le chrono devant, c'est 10 minutes. C'est que la plupart des gens en Afrique, ils ne vont pas payer le montant que je demande. Donc, 10 minutes. Allez, vous posez la question, on parle en 10 minutes, je vous dirai ce qu'il y a lieu de faire. En ce qui concerne les enseignements, je ne donne pas les enseignements dans mon téléphone privé. C'est plutôt organisé. Il y a près de 2000 vidéos. Je vous dis bien, 2000 vidéos. Si vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube, là, plutôt ma page Facebook, il y a moins des milliers de vidéos. C'est des enseignements pratiques. Dans le compte YouTube également, il y a près de 310 vidéos qui sont purement pratiques. Il y a plein de rites que vous pouvez pratiquer vous-même. Donc, les enseignements, généralement, quand vous venez dans le forum, là, vous posez une question. Il y a des gens plus avancés qui vous répondent. Maintenant, quand vous parlez d'une question personnelle, ça veut dire que vous prendre un rendez-vous. D'accord? Il faut prendre un rendez-vous. Et quand vous prenez le rendez-vous, vous le signalez sur le forum que j'aimerais avoir le contact du maître. Et maintenant, quand vous venez en privé, présentez-vous, donnez votre nom. Et dites, voilà maître, moi j'ai un problème, j'aimerais une consultation, soit de 10 minutes, si c'est plus de 10 minutes pour 1 heure, donnez-moi les frais, combien je dois payer, et puis on vous dit comment ça se passe. C'est un peu cette partie de la communication qui n'a pas été peut-être bien, parce qu'il ne passe pas, mais je fais l'effort quand même de faire passer ça. Imaginez-vous que en dehors du côté francophone, côté anglophone, je suis à 812 000 abonnés. Là-bas, là, c'est les Américains, les Haïtiens, les gens de Martinique, ceux qui sont anglophones, les Jamaïcains. Je suis tout seul, hein, à faire tout ça. Et je ne vis pas de ça, s'il vous plaît, je vous le répète. J'ai un boulot également où je dois être là-bas. Un moment, j'avais deux boulots, un moment, j'allais à l'école. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas vraiment facile. Donc, prenez votre mal en patience. Maintenant que vous avez soulevé le problème ici, veuillez réactiver cela dans le forum ou dans le contact privé. Mais présentez-vous, c'est la moindre chose. Je vous dirais, hein, 20 sur 100, je dis bien 20 sur 100, en d'autres termes, on pourrait dire 3 sur 10, les gens ne, il n'y a que 3 sur 10 qui se présentent. Je m'appelle tel. Et voici mon problème. Est-ce que ça nécessite un rendez-vous, s'il vous plaît? C'est aussi simple. Mais il y a d'autres qui viennent avec des longs discours. Et je suis allergique. Imaginez-vous si, avec tout ce monde-là qu'il y a là, il y a déjà des centaines, des milliers de personnes. Des millions de personnes qui me regardent sur la planète. Maintenant, si chacun doit amener l'audio, me laisser l'audio de 1 heure de temps, vous-même, vous voyez comment. C'est pas facile, hein? Parce que là, je ne suis pas encore tétanzambé, je ne suis pas encore dit, hein? Moi, je suis encore sur Terre. J'ai aussi une vie, j'ai la famille, les enfants, la femme. Vous voyez, c'est compliqué, là. Et Effectivement, donc, oui. essayez de me faciliter la tâche, c'est ce que je voulais dire. D'accord? N'y a pas de problème, mon père. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. J'ai déjà reçu Vanderpool, le prodigieux. Bien, 5 minutes après, on va partir. Le prodigieux, il est là. Est-ce que le prodigieux est là? Et Ah, d'accord. bonsoir, je D'accord. suis là. Oh, d'accord. Est-ce Vous que vous avez me une question? recevez? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Vous Ok, avez une moi question? j'aimerais savoir à propos du Rotary Club. Est-ce que c'est une niche pour la FM? Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Ah, vous êtes venu en retard, en fait. Je l'ai dit au Oui, début. je suis venu un peu en retard, désolé. Parce que là, on est Je n'ai déjà pas à suivi au début pour une heure et aujourd'hui. demie, là, et tout ça là. Oui, c'est une Ah, niche. d'accord. C'est une niche. C'est ce que j'ai. D'ailleurs, parmi les trois. Est-ce que ça prend Hein, du temps? oui? Pardon? Est-ce que en les intégrant, est-ce que arriver à un niveau,
Ils demandent, surtout en Afrique, c'est une niche pour la franc-maçonnerie et tout. Oui, ce sont des niches qui vous ouvrent les portes vers la franc-maçonnerie, en fait. Maintenant, vous me posez la question s'il y a quoi? Oui, je posais la question si il y a certains degrés dans les Rotary Club aussi. Oui, il y a certains. Oui, en fonction de l'ancienneté que vous avez, vous progressez au fur et à mesure, vous donnez des responsabilités. Il y a une forme de degré, oui, c'est organisé. Jusqu'à ce qu'on juge que vous êtes prêt, maintenant vous avez la responsabilité de garder le secret, tout, 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 et puis on pourra vous monter à un autre niveau, quoi, d'intégration vers la FM. Vers la franc-maçonnerie. Voilà. Ok. Est-ce que là-bas, ils pratiquent aussi des rites et des rituels? Genre, Où? dans le domaine de Rotary Club. Ah, moi je ne peux pas vous dire, moi je ne suis pas rentré là-dedans. Il y a que les gens qui sont dedans qui peuvent vous dire. Mais honnêtement, ils ont des réunions, ils ont des travaux qu'ils font, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Parce que j'ai promis au début du live que je ne veux pas rentrer dans les détails techniques. D'accord. Ouais. C'en est de même pour le Lions Club. Lions Club, voilà, oui, Lions Club aussi c'est dedans. Il y a Lions C'est une Club, il niche y aussi a. pour la formation. Oui, c'est une niche. Lions Club, Rotary Club. Je parlais encore des jeunes chambres économiques, scouts, les scouts, Les tout ça là, scouts. ils sont. Oui, je t'ai dit, la liste elle est longue. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, c'était juste ma question. Je vous en prie. Bien. Bonne soirée à tous. Merci de m'avoir tout suivi. Merci pour tous les dons que vous avez faits pour moi ce soir. Vous avez compris mon message de ce soir. Un, retour à la source. Il faut retourner vers vous-même, vers vos parents, vers les choses laissées par les ancêtres. Deux, l'affaire de rentrer dans les niches, dans les loges, faites très, très, très attention. Vous êtes libre. Vous avez le droit de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour votre destin. Personne ne viendra vous juger. Mais nous sommes là seulement pour vous prévenir comme des personnes sages. De là où il faut aller ou là où il ne faut pas aller. Là où il faut mettre le pied et de là où il ne faut pas mettre le pied. C'est ça notre rôle. D'accord? Est-ce que j'ai dit que les niches ou les franc-maçonneries, c'est diabolique, que c'est mauvais? Non, je ne l'ai pas dit. Mais j'ai seulement dit que là-dedans, ça dépend des pays. Il y a certains pays, si vous avez suivi mon enseignement précédent là-bas, il y a une semaine, où j'explique que chaque pays, la franc-maçonnerie respecte, on appelle ça, les réalités de chaque pays avant d'ouvrir leur loge. Donc les loges de chaque pays répondent en fonction des rites de ce pays. C'est ainsi que vous verrez dans certains pays, ils ont des rites de choses qu'ils ont mélangées dans la loge. Mais si ce rite exige qu'on doit trancher la tête de quelqu'un, ben, il ne faut pas être scandalisé. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous ai dit. En Afrique, c'est différent. Mais ici, aux pays occidentaux, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, là, la compréhension, elle est haute. D'accord? Mais seulement faites attention des choix que vous faites. Et troisièmement, j'insiste beaucoup, évitons d'être superstitieux. C'est ce que le jeune est venu parler, celui qui a été interrompu. La superstition, c'est quoi? C'est faire trop de déclarations gratuites tant que nous n'avons pas des preuves. Faire des déclarations gratuites veut dire faire des faux témoignages. Oh, je connais le gars, oh, quand il te serre la main bizarrement, oh, regarde la grosse bague qu'il porte. Voyez, à un moment même, je ne porte plus mes bagues, mes chevalières. Parce qu'à un moment, quand je mettais ça, les gens sont là, ils regardent. Hé, vous avez vu la grosse bague? Mais ça, c'est un sorcier, c'est un dangereux. Évitons ça. La bague ne va pas ensorceler quelqu'un. C'est toutes ces choses-là que j'évite. J'invite la jeunesse de beaucoup développer votre esprit. Développez-vous, essayez de bannir la peur. Parce que l'ennemi numéro un de l'homme, c'est la peur. Plus vous aurez peur de ces FM-là, hein, plus ils vont vous dominer et ils vont vous avoir. C'est la vérité. Si vous êtes devant un sorcier que vous tremblez, vous avez peur, le sorcier va me tuer. Mais c'est une bonne porte de pénétrabilité. Vous êtes vulnérable. Vous êtes prédisposé à la mort. Vous avez déjà vu le lion avoir peur. Le lion ne recule jamais. Et c'est ce que j'enseigne toujours à mes élèves des arts martiaux. Dans le karaté, il faut jamais avoir peur. Même si le type, il est gros, comment, n'importe comment. Vous avez 85 points sensibles, les points vitaux. Même si le type a 1 000 kilos. Vous n'avez pas vu le gars sud-africain qui avait tué le lion? Sa photo passait sur Facebook. C'est vrai que le gars s'est retrouvé les blessures partout, mais il a fini par tuer le lion avec ses propres mains. Et pourtant, le gars, c'est un petit type. Il avait à peine 68 kilos seulement, mon Dieu.
Mais il a tué le lion avec ses mots, ses mains. Pourquoi? Parce qu'il a combattu l'ennemi numéro un qu'on appelle la peur. C'est comme ces sectes, les religions, les milieux franc-maçonniques. Si vous partez avec l'esprit de peur, mais les mecs là vont vous exploiter sur cet élément-là. Et puis vous allez vous faire du mal. Donc évitons d'être superstitieux. Soyez libre de faire votre choix. D'accord? Et ne critiquez pas les autres qui s'embarquent dans ces choses. Moi, mon rôle, c'est de venir sensibiliser. J'étais dedans, j'ai enlevé mon corps. Maintenant, si vous ne voulez pas m'écouter, vous dites non, le papa là, quel est son problème? Non, 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 je ne vous ai pas interdit, oh, mais je vous ai seulement montré les devants. Soyez tous bénis, bonne soirée. Il fait très tard chez vous là-bas. Il est 20 heures. Voilà, là-bas chez vous, il est maintenant 1 heure du matin. Donc réfléchissez à ceci. D'accord? Bien des choses à vous. Ça, c'est qui me demande d'inviter la mondie. Donc, je crois qu'on s'est compris. Bon, malheureusement, la personne n'a pas de nom. Je devais bien l'inviter, hein, mais demande de rentrer. C'est qui? On a fait le tour de tout. Donc, s'il vous plaît, c'est à vous maintenant de réfléchir au. La vie est entre vos mains. C'est à vous-même de décider du choix de votre vie. Il s'est fait tard. Les gens viennent à la dernière minute maintenant. Là, moi, je vais aller. Regarde, je ne peux même plus manger parce qu'il s'est fait tard. Je vais seulement manger le fruit. Bonne soirée à tous. D'ici là, si telle est la volonté de Teta Mwanga, on se retrouvera jeudi. Parce que aujourd'hui, c'était mon jour de silence, mais j'ai parlé. Donc, je serai obligé de me rattraper demain pour que je ne parle pas, pour qu'on se retrouve jeudi. Et jeudi, demain, c'est quel jour, Maman Nyambi? Mardi. Donc, oui, mercredi. Qu'est-ce que je raconte? Jeudi, oui, parce que je dois récupérer la journée de mercredi. Oui, j'ai faim, je suis fatigué. Donc, on se retrouve. Bien des choses à vous. Merci encore. Soyez tous bénis. Merci, merci beaucoup. Merci pour tous les dons que vous avez faits. Oh, merci pour les diamants. Merci pour les bijoux. Merci, merci beaucoup pour les fleurs. Merci beaucoup pour les roses. Mon Dieu, il y a quelqu'un qui a donné près de 200 roses, Tatinyambi. Les diamants, n'en parlons plus. Mais je vais être riche, hein? Merci beaucoup. Merci vraiment. Donc, rendez-vous, si telle est la volonté de Teta Mwanga. On se retrouve mercredi ou bien jeudi. Oh, voilà encore une qui vient donner. Oh, maman Bodhi, oh, Bodhi est venue me donner une autre rose, vraiment. Merci beaucoup. Mais moi, je vais aller dormir maintenant. Le papa est fatigué. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci encore.